Les poulets, comment ça va bien ce soir? Je vais faire mon petit retour son quand même. Hop, qu'est-ce que je fais comme bêtise moi? Voilà, c'est mieux. Mon retour son, on le vérifie. Et il est bon. Bon alors comment ça va bien les poulets ce soir? Tout le monde va-t-il bien? On va attaquer la suite du projet DPZ. Moi bon, comme d'habitude, ma petite gorgée de coca pour bien débuter la soirée. Voilà. Alors, voilà où on en était la dernière fois. On a tout sauté. Donc on en est là. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est que bah, on va attaquer l'étape de peinture tout simplement. Donc comme on l'a relevé dans le dernier live, les couleurs de terre, de sol dans DBZ, on est plutôt sur les tons orangés. On va faire une couleur orange, qu'après on va retravailler avec des jaunes pour les lumières et merde je fais tout tomber mais c'est pas grave et des marrons pour les ombrages. Alors pourquoi est-ce qu'on sélectionne ces couleurs? C'est tout bête comme là notre couleur de base c'est du orange comme j'ai déjà expliqué pour que des couleurs aillent ensemble en termes de lumière et d'ombrage de lumière et d'ombrage faut qu'elles proviennent de la même base que la couleur d'origine. Donc si notre base c'est du orange bah, je peux faire mes lumières en jaune. Puisque en réalité le orange c'est ni plus ni moins que du rouge coupé, cassé avec du jaune. Donc il y a forcément la même base de couleur dans les deux. Il y a du jaune en réalité dans les deux. Et pourquoi du marron? Parce que le marron, c'est ni plus ni moins qu'un orange assombri à mort, le marron. Donc on n'aura pas de souci en termes d'ombrage avec du marron. Sachant qu'on ne fera pas très, là, le marron est foncé. Et on va pas le faire très accentué, on va jouer sur la transparence. Il ne sera pas accentué de ouf. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va se la jouer. Tac, 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 tac. Voilà. Donc on va poser ça ici. On va se garder le orange ici, ça là. On va avoir besoin, pardon pour la caméra. Là, franchement, j'ai du lion, il n'y a plus grand-chose. Il y en a assez pour ce soir. Donc toc, on va faire qu'on se refasse. Donc on va se faire notre petite dilution. Alors, le débit d'air est trop fort, je vais régler mon petit débit d'air. Désolé pour la caméra, mais mon compresseur est juste à côté. Du coup, j'ai tendance à taper dedans quand je le bouge mon compresseur. Taper dans la caméra. Voilà. Tac. C'est bon. Là, on est bien normalement. Il est où mon petit. Il est là, mon petit truc. Voilà. Pour faire un mini test pour être sûr qu'on n'a pas de soucis et que le produit sorte bien, on va faire pour vous voyez on va mettre un petit produit. Alors ça de base, un petit produit nettoyage donc ça fera pas de mal. Et je vais juste vérifier que ça sorte bien. Vous allez voir, je sais pas si vous, moi je le vois, je sais pas si vous devez le voir. Vous avez vu le jet sortir, il est sorti nickel donc c'est que j'ai pas d'impureté dans ma buse, ma peinture va sortir sans souci. Toc. Oui, je vais activer le Discord. Hop. Général. Voilà. Toc. Voilà. Alors, nous allons donc préparer notre petite peinture. Je vais la préparer directement dans mon godet. Je vais pas faire chier. Bah déjà, avant de préparer la peinture, peut-être simplement dégager les figurines qui, dans l'immédiat, ne servent à rien. Donc on va se les mettre là. On va quand même pas les repeindre à coups d'orange, ça sera un peu dégueulasse. Et les éléments qui sont non fixés, c'est-à-dire les dalles. Comme ça on pourra les peindre séparément sans galérer à faire du détourage machin. Toc. Et on les rassemblera après. Pareil, j'en ai d'autres des dalles de coupé. On les peindra aussi et on verra si on se les garde, si on se les pose à droite à gauche. On verra le rendu que ça donne. Mais on verra ça une fois les peintures terminées. Salut Stéphane! Ouais, on ne te voit pas sur Discord. Oh, je t'entends mal, Stéphane. On te voit pas sur Discord. On comprend rien ce que tu dis, Stéphane. Attends, je regarde mon volume s'il est peut-être pas assez fort. Je disais, on ne te Ouais. voit pas sur Discord. Il n'y a pas de caméra. Ah merde, oui, il n'y a pas de caméra Discord. Oui, t'as raison, j'ai oublié de la mettre. Tac. Voilà. Ah bah C'est bon. Par contre, je t'entends de très loin.
Bah écoute, j'ai rien changé par rapport à l'habitude. Ah, c'est chelou. Bon, je monte un peu le volume. Et puis on verra l'utilisation. Donc nos petites ailes poinçons, on se les met de côté, on les peindra après. On les fera un gris que je vais éclaircir, mais on fera une base de gris pour nos dalles. Parce que c'est un gris hyper clair en fait. Donc ce sera un peu de gris dans beaucoup de blanc pour faire la couleur des dalles. Donc on verra ça tout à l'heure. Salut Stéphane, tu vas bien? Alors Stéphane, est-ce que tu nous rejoins sur le Discord aujourd'hui, mon petit CS7, CS7? Nous rejoins-tu sur le Discord? Ah, Moi j'ai une toc. surprise pour toi, Jamie. J'ai cru que tu disais que tu avais une surprise pour moi. C'est ça. D'accord. C'est quoi? Bah, regarde. Alors je vois ta tête. Ouais, je te vois. Je comprends pas ce que tu dis, c'est impressionnant. Je t'entends, mais en fait, comme si tu étais loin, en fait, ou comme si le son était étouffé. Je t'entends pas distinctement comme je t'entendais la dernière fois. Bah non, on fait rien du tout. Attends, je vais regarder au niveau du. Ici, non, t'arrives comme d'habitude à 111%. Bon, c'est pas grave, on fera avec. De toute façon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bah ici, ça, moi j'ai plus Ouais, bah écoute. Hop. Rien bougé hier. Alors, on va attaquer notre préparation de peinture. Hop, voilà. On secoue bien, comme ça, je ne sais pas utiliser ce pot-là. On n'hésite pas à bien le secouer pour bien remélanger le pigment avec l'acrylique, en fait, la matière de la peinture, c'est une sorte de résine, en fait. On mélange bien, on mélange bien, on mélange bien. Voilà. Moi, ouais, c'est bon. Alors, voici, on a tout, on va avoir tout à peindre. La seule chose que je ne vais pas avoir à peindre en orange, ce sera les effets de fumée. Parce que l'herbe, ça sera directement la matière, ça sera directement verte qu'on va poser. Donc, j'ai pas besoin de me poser la question à délimiter pour le vert. Bon, juste que je fasse attention à ne pas repeindre les effets de fumée, quitte à remettre du blanc après par-dessus, au pire. Hein, mais voilà. Si on peut éviter, ça serait pas plus mal. Tac. J'aurai besoin de ça. On va avoir besoin de ça. Alors. Moi j'y vais au pif, hein. J'y vais au pifomètre. Moi je peux m'en mettre quelques gouttes. Quelqu'un qui a parlé sur l'onglet live, je vais regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, salut Matt, David a lancé son. Ah oui, ok, oui. Bah. Bon, Matt, il s'en rendra compte, t'inquiète, je pense, hein, il va recevoir une notification, mais ouais, faut que Matt, il ait envie ou le temps de venir. Mais du coup, bonjour Julien, d'ailleurs, du coup. Alors Stéphane, tu nous rejoins pas, bordel? Oui, tu Espèce de vois. lâcheur. Voilà, ok. Oui, T'as dit quelque chose? j'ai dit que j'étais là. Ah non, je pense à l'autre Stéphane, excuse-moi. À Stéphane, à CS7. Voilà. Ouais, si là vous voyez ce que je fais, c'est bon. Ah, cette opération un peu longue, faire cette couche de peinture. Elle sera plus rapide quand on attaquera les ombrages et tout. Mais c'est vrai que cette couche-là va être relativement longue à faire. Sur qui se marche.
que tu m'entends mieux là? Ah là, je t'entends mieux d'un coup. C'est mieux là? Ah carrément, ouais. Ok, bah, c'est parce que c'était le Discord, apparemment il y avait une option dans les périphériques micro qui a changé, c'était passé sur défaut. Ah d'accord. Ah mais j'ai vu que ça m'avait fait la même chose sur moi aussi, c'était peut-être une mise à jour. Salut Rémi, tu vas bien? N'hésitez pas les mecs, hein, Discord si vous voulez. Ouais, il y a deux beaux gosses en caméra. Ah, tu t'es fait raser la tête toi? Ouais, je suis allé chez coiffeur. Je voulais le faire pour hier soir, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, bah, c'est qu'aujourd'hui j'y suis allé chez le coiffeur. Ouais, faut que je remonte un peu la caméra pour que vous voyez l'entièreté du rasoir. C'est du orange que t'as mis là? Ouais, c'est du orange. Ah ouais, tu sais quoi, je le vois jaune moi. C'est normal, il est en fait, il est flashy vu qu'en dessous on est sur du blanc. Mais c'est ça, toi t'es là. C'est ça la teinte de base, la teinte que je pose. Ah ouais. Mais tu devais pas le mélanger avec du marron? Non, ça après je ferai mes ombrages avec du marron, mais je vais pas le mélanger de base avec du marron. J'ai besoin de garder une teinte un peu flashy en fait. C'est l'univers est comme ça en fait. Ouais. J'y comprends bien. Comme dit à chaque fois, en fait, c'est un univers, il fait. Ils connaissent pas la pluie, ils connaissent pas la nuit, il fait tout le temps beau, grand soleil là-dedans. Voilà, ok. Hop. T'as mis de l'enduit entièrement? C'est pas l'enduit, c'est du gesso. J'ai mis du gesso partout, ouais. Ah oui, c'est du gesso. Gesso blanc. Ouais, je saute blanc. Comme ça, ma peinture va bien accrocher. Sinon, je serais obligé de mettre des tonnes de peinture pour arriver au même rendu et ça sera relou, dégueulasse et cher. Tu achètes où ton gesso? Je sais plus. Ça dépend où je suis que, là, c'est chez Cultura, je crois. Que je l'avais acheté chez Cultura. C'est la marque Raya, je crois, non? Non, c'est le Franc-Bourgeois. En l'occurrence, celui-là. Et il est très bien. Franchement. Mais là, par exemple, j'ai acheté la marque, je crois que c'est la marque du magasin de oh putain, de comment, de Cultura, et la marque dessus que j'ai acheté mais que j'ai pas encore ouvert, c'est Monali, et je l'ai déjà utilisé. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Bah écoute, moi ça va, mon petit Rémi, tranquillou, hein, je suis en pleine peinture. Alors, ils t'ont fait plaisir tes petits cadeaux, en fait, Stéphane, hein, t'ont fait plaisir. Stéphane, CS7, hein, je veux dire. J'ai vu qu'il avait eu des cadeaux aujourd'hui. Du coup, je vais être en kiff. Ils lui ont fait plein de cadeaux Star Trek. Ouais, avec Darth Vader dedans. Voilà. Tu vois ce que je fais, si vous voyez. Sur Discord on voit aussi. Oh, sur Discord on voit aussi. On voit moins forcément, mais on voit quand même, donc c'est bon. Pareil, une fois que tout sera fini en termes d'aéro, on retravaillera l'ensemble avec des légers broches, là où il y aura besoin de les faire. Faut pas s'inquiéter pour ça. On fera peut-être même de la vie, à mon avis, hein. Alors, ça aura besoin de la vie. Par endroit. Ça, ce qui va être long, c'est à cause de tous les petits reliefs avec tous les petits cailloux que j'ai fait. Ça va pouvoir s'avérer un peu long. Et je sais pas si vous voyez, il y a des endroits quand je force sur Discord, vous n'êtes pas le voir, mais sur YouTube, vous voyez, quand je force un peu plus ma peinture, on sent qu'il y a des endroits ça ressort un peu plus orange que jaune en fait. Mais c'est normal. Salut Okiji. Le gesso et la pâte à fixe, c'est la vie. Ouais. Oui, c'est un peu ça.
Surtout pour les figurines articulées. La pâte à fixe aussi magnifique hein, pour les collectionneurs de figurines articulées sur diorama. Les collectionneurs de... Je connais pas un seul collectionneur de mid-cloth qui a pas de pâte à fixe chez lui. Ah, c'est à toi qu'on parle, Stéphane, sur le chat. Ouais, bah écoute, je suis sur le chat, là, justement. À part Rémi qui me dit qu'il va chercher son gesso chez Cultura, mais c'est tout. Il faudra que j'essaie sur chez Action, Jean. Salut David. Salut mon David, tu vas bien? Si je confirme, c'est top. Ah ouais. Alors là, je vais pas me faire chier mettre de la peinture là, puisque là, je mettrai ma matière verte pour l'herbe. Donc là, je vais pas. Si y a la couleur, c'est pas grave, mais je vais pas me faire chier mettre volontairement, vu que ça se verra pas au final. C'est ce que je mettrai, sera pas du tout transparent, donc on ne sentira pas la couleur d'en dessous, quoi. Je sais pas si on le fera ce soir ou pas, ça dépendra du temps qui va me rester. On va mettre ce soir à bosser. Tac. Ça va rincer de mon nouveau travail à plein temps. Bah, tu m'étonnes dans tout le tien. Là, pourquoi? Puis tu peux pas, tu n'as pas le moyen de t'esquiver. Hein. Il n'y a pas le moyen de t'esquiver. Là, t'as pas le choix, ma gueule. Va falloir assumer. Va falloir assumer tes conneries. Je rappelle pour ceux qui veulent, il y a le Discord d'ouvert. Alors vraiment, quand on a plein de petits reliefs, il faut vraiment faire attention à passer dans tous les sens, parce que si je suis que dans un sens, les reliefs vont cacher l'autre côté du relief et du coup ça restera blanc. Il ne faut pas hésiter à y aller un peu dans tous les sens, à tourner, retourner l'audio un peu partout, quoi. Ashram, tu vas bien, tranquille?
fasse de la peinture dans le godet. Voilà, la couleur est sympa, la couleur me plaît. Faut que je la refasse, faut la retravailler, mais la couleur de base est sympa, moi elle me plaît bien. Si tu le prends où ton gesso noir, David? J'achète. Derrière, j'en ai là qui vient de chez Action, il me semble, il est très bien. J'ai jamais eu de problème avec. De mémoire, ça vient de chez Action, je crois. Sinon, t'as la marque de chez. Merde, t'as. Attends, ça s'en est un ou pas ça? Ouais, t'as rien. Hop. T'as ça aussi, studio acrylique de chez PBO qui fait du gesso noir. Mais après, franchement, entre celui de chez Action et celui-là, j'ai pas vu de différence. Dans les deux cas, ils ont fait le taf. Tout ce que je peux te dire, c'est que les gessos noirs sont systématiquement un peu plus liquides que les blancs. Les blancs sont toujours plus consistants. Et voilà, je sais pas, bon, peut-être du pigment, je sais pas, mais voilà, le noir est toujours un petit peu moins consistant. Donc tu peux, par exemple, le blanc, je m'en sers des fois pour jouer sur les textures, je mélange du sable et tout avec. Avec le noir, t'auras plus de problèmes. Mieux vaut dans ce cas taper le blanc et repeindre le noir par-dessus. Oui, ils en parlent pas de ça lors de la concession. Qui, à mon sens, reste la meilleure partie. Là, c'est exactement ça, David. Après, je suis devant la télé avec madame. Ah, c'est pas grave, tu couches madame. Eh, l'autre fois, tu fais comme une fois, t'emmènes madame dans la chambre, puis après, tu reviens. Ça peut aller, je me suis tordu la cheville. Ah, mais tu les collectionnes, la chrame, dis donc, toi. J'espère que ce n'est rien, mais au pire, j'irai aux urgences demain. Ouah, tu tords la cheville en général, tu laisses ta cheville au repos quelques jours et après, t'es tranquille. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, mais ça passe vite. Salut JP, tu vas bien? PBO, c'est top comme marque de peinture. Oui, j'ai jamais eu de problème avec PBO. Par contre, alors, tant toi, prends tout ce qui est peinture comme ça, PBO, sur le papier, on peut les passer à l'aérographe du moment que tu les dilues bien. Mais c'est très compliqué à diluer, parce qu'au moins une petite particule, un pas assez dilué, ça bloque ton aéro. Donc au final, les PBO pour l'aéro, c'est pas ce qu'il y a de mieux, pas pour la qualité de la peinture, mais parce qu'en fait, nous, en tant qu'humains, quand on la dilue, on laisse toujours des saloperies pas bien diluées, et ça déconne. Donc pour l'aéro, je déconseille PBO. Après, ils ont peut-être une gamme spéciale aéro, mais dans ce cas, je la connais pas. Merde. Hop, on va refaire la peinture. Moi, j'utilise le gesso noir PBO, mais je trouve qu'il se rétracte un peu au séchage. Ah, toi, j'ai jamais eu ce petit problème. Après, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Après, peut-être pas de la même façon que toi aussi. Peut-être pas eu la même utilisation. Mais c'est ma cheville déjà très fragile. J'ai déjà été opéré. Ah, bon, bah, j'ai rien dit alors. Fais comme si j'avais rien dit. Il est bien le nous pour faire l'asphalte. Ah, le noir, je pense que tu veux dire. Ouais, bah écoute, si tu y arrives avec, c'est parfait alors. Tu vois. J'ai jamais essayé directement avec le noir. En fait, quand j'ai fait la vidéo sur l'asphalte, je n'en connaissais même pas l'existence du gesso noir. Donc je risquais pas de le faire avec. Tac. Voilà. On remélange tout ça. Genre au premier passage, tu sens que c'est full recouvert et le lendemain, tu découvres plein de petits blancs polis. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce qu'il faut se méfier? Moi, je me fais aussi avoir, mais je me fais aussi... est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est dû au... Est-ce que je me fais avoir avec les deux marques? À la brillance du produit qui fait que tu vois pas, et que la brillance fait que les reflets de lumière, tu vois du blanc, tu dis c'est un reflet, et tu vois pas que c'est pas du reflet, que c'est une poly, et du coup, tu penses pas à courir. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est une simple supposition. Je sais que moi je me suis déjà fait niquer comme ça avec des peintures parce que la peinture à brille quand elle est pas sèche, donc tu fais pas la différence entre le brillant et le manque de peinture. Maintenant je sais pas pour toi comment c'était, mais moi j'ai déjà eu le problème. Oui, tu peux l'aéro, la PBO, mais il y a intérêt à diluer. Ah ouais, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai déjà fait, hein, mais j'arrête parce que c'est chiant en fait. La dilution elle est chiante, mais je l'ai déjà fait, ça marche, hein, ouais, j'ai déjà fait des dilutions complets comme ça. Salut Nicolas, tu vas bien? Voilà, ok, on est bon. On est reparti. Alors, j'en étais à là. Ok. Voilà. Même tes montagnes, tu vas les peindre orange? Ouais, toutes les... T'as jamais de distinction de couleur de terre. Hein. Dans des BZ, c'est toute terre, c'est la même chose. Ça change de couleur quand tu changes de planète, à la limite, mais c'est tout, quoi. C'est ce côté...
Niveau chromatique, DBZ, ça n'a jamais été d'une très grande variété. Par contre, il jouait beaucoup sur les couleurs opposées pour faire des beaux contrastes de couleurs, pour que ce soit beau visuellement. Mais sur la variété colorimétrique, non. Ça n'a jamais été un truc de fifou, quoi. C'est de la couleur terre, de la couleur ciel, de la couleur eau et de la couleur herbe et basta, quoi. T'as très peu d'éléments urbains. T'en avais un petit peu dans Dragon Ball tout court, mais dans Dragon Ball Z, t'en as pas. Tu peux pas, des Kennedy, il a des trucs directs, donc de toute façon, on peut pas y avoir vraiment d'éléments urbains, mais voilà. Peut-être, mais je crois que j'ai jamais réussi à ne pas devoir repasser des retouches. Et pourtant, sachant que je m'applique, ce n'est jamais 100% nickel. Bon, c'est possible, après, ce que tu dis, c'est possible, ce que tu dis, hein. C'est vrai que j'ai pas assez de... Le peu de recul que j'ai eu, a fait que j'ai pas eu de soucis avec mon gesso. Maintenant, je l'ai pas utilisé énormément. Ça, c'est le seul que j'ai pu utiliser jusque-là de pot, tu vois. Alors que des pots comme ça, j'en ai utilisé une chier, tu vois. Donc j'ai beaucoup moins de recul sur le noir que sur le blanc. Et après, peut-être qu'on s'en est pas servi de la même façon, peut-être que les conditions de séchage ne sont pas les mêmes, ça je peux se poser aussi, hein. Les conditions de stockage du produit aussi peuvent changer, hein. Ne serait-ce que le gesso en bombe, si tu le stockes dans un endroit trop froid, le gesso, quand tu vas le pulvériser, va faire des petits fils partout. Donc tout ça peut jouer, hein, sur la qualité des produits. Que ce soit gesso, peinture, tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention souvent sur les produits à marquer les températures de conservation. Il faut vraiment y prêter attention. C'est vrai que là, je parle pas beaucoup, mais y a pas grand chose à dire sur ce que je fais. Faut pas vouloir planter des patates chez les BZ. Ouais, non, vaut mieux pas. Je vais très vite à court de flotte. Dans Dragon Ball Super, la colorimétrie est très variable. Oui, d'entrer dans Dragon Ball Super, c'est vraiment des ambiances différentes en réalité. On retrouve celle qu'il y avait dans Dragon Ball Z, plus d'autres en fait. Déjà, t'as tout l'arc tournoi galactique, je sais plus quoi là. Et ça se passe dans la nuit déjà. Zamas, l'arc Zamasu, ça se passe en partie dans la nuit quand même. Hein. Donc, ce qui ne se produisait jamais dans les BZ. Hein. Sauf quand Shenron apparaît. Quand Shenron apparaît, ça reste anecdotique. Il doit apparaître quoi? Allez, 5-6 fois dans la série, peut-être un truc comme ça. Donc, sur plusieurs centaines d'épisodes, 5-6 fois. Allez, si, la fin du combat Goku Freezer, où il fait un peu nuit rouge parce que la planète va être détruite et qu'il y a plein de nuages. Et encore, c'est pas une vraie nuit, parce que c'est très très rouge. Je rappelle, l'avantage c'est que ça sèche assez vite pour que, si je veux, je peux direct retravailler d'autres couleurs par le sud dans la foulée, c'est pas un souci.
Ouais, elle est belle la couleur. Franchement, là, c'est, on est sur la bonne colorimétrie. J'adore ton masque quand tu peins. T'as vu ça? Masque couleur chair. C'est un spécial coco. En fait, c'est un masque coco. Pour ça, vous le voyez pas? Un masque furtif. C'est vrai, hein, franchement, c'est vrai que les gars, on devrait peindre avec un masque. Hein, je devrais le faire. Hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'y contraindre. Bon déjà je me surprends moi-même à arriver à supporter le masque quand j'ai besoin, quand je sais pas, quand je suis dans faire des cours, souvent c'est rien, ou au boulot quand je suis dans les bureaux avec d'autres personnes, mais c'est vrai qu'ici j'ai beaucoup de mal à m'y contraindre chez moi quoi. Déjà avant le Covid, je le faisais déjà pas, mais alors maintenant non. Tac. Ah oui, c'est un simple truc. Voilà, c'est pas chiant. Calme. Attends, j'ai mon compresseur qui se met en marche, du coup j'entends pas ce que tu dis. Tu disais? Je disais quel calme. Ouais, bah ouais, mais c'est vrai que quand j'arrive sur ce type de travaux, c'est vrai que je suis beaucoup moins bavard. Je suis plus concentré sur ce que je fais pour essayer de pas trop déborder, surtout, enfin sur mes effets de fumée, tout ça. Pas techniquement, ce sera pas la fumée, c'est juste pour cibler les mouvements d'air, mais voilà. Fasse un peu de couleur. Tac. Ah non, faut d'abord que je mette la peinture. Ça sera plus mieux quand même. On va même boire un petit coup là. Ouais, ça va, ça avance quand même niveau colo. On est bien. Moi, je suis content du Oh, colo. finalement, c'est pas mal la couleur. Ouais, et encore, c'est vrai que le rendu que vous avez en vidéo, il est pas. Enfin, surtout pour toi sur Discord, il est vachement lumineux. Il est un peu moins. Il est un peu moins lumineux. Un peu moins. En réalité, un peu moins fluo. T'as un effet un peu. Le fluo est plus boosté sur la vidéo en fait. Mais sur YouTube, on est plus proche du résultat du rendu que j'ai devant les yeux. La version YouTube. Ouais, bah là, je suis passé sur YouTube et Ah bah. ouais, Ouais. c'est pas mal. C'est effectivement orange. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment de l'importance de la couleur qu'on a en dessous. Parce que de base, on est quand même sur une couleur comme ça. Parce que c'est ce que je mets dessus. Mais vous voyez, quand je la mets à côté, ça fait pas pareil. Et c'est tout simplement parce qu'on ressent le blanc qui est en dessous. Et c'est l'effet que je recherche. Ça, pour booster ma couleur, qu'elle soit flashy, j'ai fait une sous-couche blanche et non noire. Ouais, c'est vraiment la vidéo qu'on a fait il y a quelques semaines sur les sous-couches. Là, vous voyez vraiment que la différence qu'on a entre du noir et du voilà, le noir nous a vraiment éclairci. Enfin, pas vraiment éclairci, il a boosté la chose, quoi. Après, je pourrais mettre une dose encore plus d'orange, et on sentira plus noir. Hein. Je pourrais blinder de couleur, mais après, on sentira plus blanc. Mais ça n'aurait pas d'intérêt. Hop.
Tac. Voilà. Voilà. On est bon. On remet tout ça. On tout touille, on tout touille, on tout touille, on tout touille. Ça fait tout touille, tout touille, tout touille. C'est tout touille, tout touille. Voilà. Alors, donc on a été, ouais, on était par ici tout ça. Voilà. Les retouches, on reviendra dessus après. Et tu fais toujours des mouvements circulaires en fait quand tu peins la réo. Là en l'occurrence ouais parce que c'est juste une couche que je fais partout. Enfin, j'ai pas des limitations à faire. Si par exemple je devais faire mes ombrages, je vais pas faire de mouvements circulaires. Je ferai des mouvements bien droits pour Steve Benning. Mais vu que là je dois en mettre un peu partout, ouais, j'ai tendance à faire mes petits mouvements circulaires. Mais c'est vraiment parce que c'est ce type de couche de peinture que je fais. Après quand faut être précis, je vais pas le faire. Après, ça veut pas dire, c'est pas parce que je fais que c'est la meilleure méthode, c'est ma méthode à moi. Il y en a plein qui font autrement et ça marche très bien. Et t'en es où du coup de ton life size? Enfin, moi je veux rien dire, mais on n'a rien vu encore. C'est vrai qu'on n'a rien vu. On n'a même pas vu un bout de poli collé avec un autre. Que dalle. Rémi qui t'a fait un compliment, David. Ah, alors. Il adore ton masque quand tu parles. Ah ouais, bah oui, ouais. Ouais, j'ai déjà vu ça tout à l'heure, j'aurais pas. Parce que moi, ça. Et tes ombrages, tu vas les faire en noir ou tu vas forcer ton orange? En marron. Je vais les travailler au marron. Et mes lumières, je vais les travailler au jaune. Ouais. Parce que finalement, le marron, ça reste qu'un orange assombri. Donc la couleur sera raccord avec. Bon, je crois que j'ai une cochonnerie dans ma bulle. Mais un marron comment? Un marron chocolat? You. Yeah. Un peu, ou un, ouais. Ou un marron simple. Non, le plus c'est un marron. Dark, Darth Fleshstone. Sur une couleur un peu terre, en fait.
que quand je vais la mettre par léger voile, ça sera pas trop forcé quoi. Ah c'est bon, la cochonnerie est partie de ma buse. Peinture dans le godet, on va en faire. Les gars, il fait chaud. Hein. Je sais pas pour vous, mais chez moi, il fait chaud. Toute la fenêtre et la porte, ça fera courant d'air. C'est déjà fait, mais il fait chaud quand même, je trouve, ce soir. Enfin, pas chaud, lourd, lourd. En même temps, je suis pas chez toi, mais moi j'ai eu de l'orage aujourd'hui. J'ai eu de l'eau aussi. Je te confirme, pas de l'orage, mais bon, j'ai eu une bonne averse. Moi c'est l'inverse, j'ai eu l'orage, mais j'ai pas eu d'eau. Bah ouais, bah écoute. Moi j'ai eu ce que t'as pas eu, inversement en fait. Par contre, demain ils annoncent 29 degrés. Hein. Ouais, ouais, youpi. Hein. Tu vas pouvoir te mettre dans ta piscine. Tant pis. Même pas parce que demain je vais bouger le son avec mes femmes. Donc. En fait, tu m'as pas répondu hier soir sur la dernière question que je t'ai posée. C'était laquelle, je me rappelle plus. Bah, je sais pas si je peux en parler là ou pas. Bah, c'est toi qui vois. C'est ce que tu fais généralement une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Qu'est-ce que je fais une fois par mois, une fois tous les deux mois? Oui, avec les photos. Tu m'as parlé ça hier? Ah, j'ai pas vu le message alors. Bah, je t'ai demandé si t'avais trouvé une date. Ah, j'ai pas vu, toi je l'ai pas vu le message. Non, j'ai pas encore calé de date. Non, ce message-là, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Tu me l'as envoyé sur quoi? Sur YouTube hier, juste avant que tu coupes. Ah bah c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu alors. Parce que déjà entre le moment où vous envoyez le message, le moment où il arrive, bah, ça, des fois quand je coupe, il y a les derniers messages, je les vois pas passer. Et non, bah donc je l'ai pas vu, mais j'ai pas encore arrêté de date. Non, parce qu'après j'aurais pu t'en parler, mais vu qu'hier j'ai fait le poireau sur Discord en attendant que tu remontes, et puis t'es jamais remonté. Bah non, parce qu'en fait moi je suis resté sur Discord, mais sur notre channel, parce que quand on a coupé YouTube, nous on est resté quand même entre nous. Du coup... Bah oui, j'ai remarqué, mais moi j'y étais pas sur Discord hier soir. Ouais. Parce que t'avais fait un salon privé, on n'était pas invité. Alors maintenant, on met tous les petits blancs. Qui me fait chier là. Voilà.
Voilà, c'est bon. Je vais refaire un peu de peinture. Le même principe, c'est le principe même de privé, je crois. Oui, c'est ça. Exactement. Je vais chercher quoi? Mon pot de peinture. Tuck. Bon, là, ça devrait être le dernier. Là, c'est plus que la petite retouche à faire. J'essaie de refaire un petit peu les dessous pour pas que j'ai de blanc qui déborde. Enfin, pour pas qu'il y ait de petites traces de blanc qui restent. Et après, on va attaquer les ombrages. Alors. Je ferai des petits lavis de toute façon parce qu'il y a des zones que je pourrais pas atteindre avec l'aéro. Voilà, au niveau de cette couleur là on est bon. Pause buvage. Ça a déjà une meilleure gueule maintenant que c'est uni avec de la peinture. Ouais, c'est clair que ça a déjà une meilleure gueule. Maintenant je vais attaquer mes ombrages avec notre marron. Mais avant, un pause coca hein, les gars, obligé, pause coca. Hop. Voilà.
ça nous raconte. Dis-moi, sur tes nuages, tu vas refaire un coup de blanc ou tu vas le laisser en gesso? Je verrai après, possible que je refasse un petit coup de blanc parce que je sens que j'ai débordé un peu. Donc je pense que je vais remettre un coup de blanc. Ouais. Je le ferai quand j'aurai fini mes ombrages, tout ça. La peinture elle est là. Voilà. Tac. Oui, je sais, je suis pas bien dans ma tête. Tac. Ok, alors, on va attaquer nos petits ombrages. Alors volontairement, je vais pas faire d'ombrage le long de la fumée. On est sur la fumée, on n'est pas sur un gros élément, donc volontairement, je ne vais pas... Je n'ai pas envie de... Quoique... Allez, si, quand même, j'ai envie. Bon. Ne vous inquiétez pas, des fois, je suis pas d'accord avec moi-même, c'est normal, faut pas s'inquiéter. C'est normal. C'est surtout que t'es pas tout seul. Dans ma tête? Ah non, je confirme. Voilà, déjà on sent un peu plus les textures, enfin les formes qui sont présentes dans la structure. Chez toi, un vortex, plus besoin de remuer. Ouais. C'est vrai que j'y pense des fois. Oui. Un peu fort quand même.
C'est marrant ça que ça plante comme ça. Moi, ça plantait pas. Ça plante pile poil à 1 heure. Ouais. Pile poil après 1 heure de live, ça plante. Si je ne l'active pas manuellement dans les quelques secondes qui suivent le plantage, je suis obligé de relancer un nouveau live. Ah, attends, je réussis à prendre assez d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Pareil, c'est depuis la mise à jour Bizarre. de Streamlabs. Ou est-ce que c'est le fait que je paye pas l'abonnement parce que c'est une version gratuite? C'est peut-être ça. Je sais pas, mais voilà. C'est bizarre, mais c'est chiant. Ouais, c'est un peu chiant, ouais, ça je te d'accord. Bah, surtout pour les mecs qui sont sur YouTube, comme hier soir, là, ça a planté. Ouais. C'est bon. Oh, bien sûr, j'ai réagi trop vite, du coup, il a fallu que je relance une deuxième vidéo. Donc là, c'est revenu, mais hein, par contre, enfin, chez moi, YouTube, tout est flou. Moi, je vais regarder comment il est. Ouais, là, j'avoue qu'il est un peu flou aussi chez moi. Pourtant, il me dit connexion excellente, donc j'ai pas de moyen d'améliorer la qualité. Peut-être que ça reviendra tout seul. Ah, bah en fait, faut sortir. J'ai remarqué qu'il fallait sortir de YouTube, relancer YouTube, et ça revient, l'image revient nette. Ouais, moi, je peux pas parce que si je fais ça, je coupe le live. Eh oui, je sais. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti du live et je suis revenu et c'est net. Bon bah voilà, le principal. Moi, je regarde un peu sur YouTube, c'est pour avoir la vue d'ensemble du duo parce que c'est vrai sur Discord, on voit pas bien. Ouais. On voit pas bien où tu mets tes sons crash. Alors attends, avant d'attaquer les éléments, je regarde le sol, tous les éléments de sol que j'aurais pu oublier. Tac.
Quelqu'un qui chante dans la rue, normal. Tranquille, c'est la fête dehors. Ouais, comme c'est pratique, un plateau tournant à 5 euros de chez Ikea. Il n'y a pas photo. Hein. N'oubliez pas les pouces, car pour l'instant, il n'y en a qu'un. Oui, n'oubliez pas de mettre des petits pouces sur les vidéos, les gars, c'est bon pour le référencement. Ben, c'est Rémi, mais c'est vrai que j'y pense rarement à faire ça. Ça fait. Alors. Et la qualité. Kiji qui s'endort, j'ai l'impression. J'ai fait ça et depuis, je reste en bonne qualité. Et ben voilà. Oh, des petits pouces, il y en a 5. Ouais, je les vois pas d'ici, les pouces. Donc, les pouces en l'air en dessous de la vidéo. Ouais. Il y en a 5, d'accord. Donc, c'est cool, merci les gars. Donc, toi, mais c'est vrai que, bah, toi, j'ai une page en fait qui me permet de gérer le live. Donc je vois plein d'infos, j'ai des diagrammes, des trucs, des machins. En revanche, ça ne me montre pas le nombre de pouces. Ah, peut-être que si je fais ça, si je vais là, qu'est-ce que ça me dit? Non, c'est pas ça. État du flux non plus, excellent. Ah si, c'est écrit là. D'accord, j'en ai 6 samedi. Samedi, 6 j'aime. J'avais jamais vu que je pouvais le voir ici, le nombre de pouces, toi. J'ai déjà poussé, je l'ai fait directement en arrivant, sinon j'oublie. Merci, mon David. Alors. Ah bah tiens, j'ai pu. On va refaire du marron. Voilà. Voilà. Alors. Ok. Ok, sûr. Pour ce que ça coûte, je t'en mettrais bien plusieurs si c'était possible. Merci. Oui, c'est vrai que ça coûte pas grand chose des pouces. Pour le coup. C'est un truc en général, je pense à mettre dans les vidéos normales, à part celle d'hier. Mais je ferai un petit rectificatif pendant le montage. Mais c'est vrai que pendant les lives, c'est un truc que je ne pense jamais à demander. La preuve que c'est vraiment pas le truc avec auquel je pense systématiquement, c'est les pouces, les partages, les machins. Je suis pas le mec qui est en mode je suis là pour faire de la vue quoi.
Après, je suis content d'en perdre, hein. Je ne peux pas dire le contraire. Hein. Ça serait hypocrite de ma part. Mais je suis pas en mode de recherche de ça à fond, à fond, à fond. Même si, par exemple, je sais que si je me mets à retravailler du CNCA, ça va faire plus de vues. Ça c'est ce qu'il y a à faire le plus de vues, si vraiment je veux en faire. Faut que je bosse du CNCA dans ces cas-là. Hors CNCA, on fait tout de suite moins de vues. Moins intéressant, parce que ça, au moins, ça fait moins de pognon. Donc on fait moins de vues sur autre chose que le CNCA. Tac, ok. Quand on fait l'aéro, faut pas hésiter de fois à passer à côté du duo et hop, on met un petit coup là. Ça permet de décrasser un peu la buse, parce qu'au bout d'un moment, elle s'encrasse un peu la buse. On la décrasse comme ça, et après, hop, on peut continuer. Ah, il y a David qui soulève une question. Ah, je finis mes petits points de peinture et je regarde, mon David. Je t'en veux de fait que je me perde pas dans mes petits trucs. Je regarde dans quelques secondes. C'est vrai qu'il a pas tort. Je vais checker ça tout de suite. Voilà, vite fait là, je me rends compte que je vais te faire ça ici. Et voilà. Donc, il nous dit quoi, mon David ? Tu devrais rajouter un lien permanent de matos que tu utilises. Au final, ton matériel vidéo, c'est cool, mais le Duramer qui veut te suivre, intéressé. Ouais, bah en fait, tu sais, je le fais sur les vidéos normales, c'est vrai que je le fais rarement sur les lives, parce que des fois, je sais pas forcément tout ce que je vais utiliser. Et du coup, c'est vrai que je pense pas spécialement préparer mes liens d'avance pour les lives. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il faudrait que je fasse. Par exemple, ouais, comme tu dis, par exemple, l'aéro, le compresseur, tout ça, c'est un truc faudrait peut-être que j'aisse en permanence. C'est pas faux. C'est pas bien parce que aujourd'hui pour l'instant c'est ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est Amazon. Au niveau de la chaîne, c'est ce qui rémunère le plus pour moi. Que ce soit en termes de commission, parce que Amazon me prend zéro commission. Et puis c'est les gens achètent plus sur Amazon, donc je touche plus d'argent par ce biais-là.
mon Stéphane qui est arrivé dans le vocal. Oubli. Enfin, il est arrivé dans le vocal, mais sans micro, donc au final. Stéphane, il va falloir qu'on t'explique quelque chose, Stéphane. Il y a une couille dans le potage, comme dirait l'autre, là. Un vocal. Si on n'a pas micro, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Attends, il le cherche, le micro. Il est dans le carton. Il est au fond du carton, c'est exactement ça. Mon carton est prohibé de mon vocabulaire en ce moment. Salut les gars. Salut Stéphane. Alors comment il va mon Stéphane? Il en peut plus, il déteste son déménagement. Fatigant? Vous m'entendez là quand même ou pas? Ah ouais, on t'entend très bien. Ah ouais, je t'entends bien. Je dis, il déteste son déménagement. Pourquoi ça se passe mal? Non, c'est pas ça, c'est que c'est épuisant. Là, je suis enfin en repos, donc je vais peut-être pouvoir avancer un peu plus vite qu'en bossant, mais... Ouais. Moi, je me fais carotter par les déménageurs, par les gens qui doivent nous aider. Faut que je remette la maison en état d'ici à lundi pour la visite de la proprio qui fera une prévision d'état des lieux avant que je débarrasse tout. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les déménageurs? Oh, bah, les déménageurs ici, comment te dire que j'aurais dû faire ça comme boulot, ça rapporte. Ouais, c'est réputé pour ça. Quand tu vois les prix qu'ils pratiquent, t'hallucines un peu quand même. Et tu t'es entre 4500 et 5300 euros pour le déménagement. Ah putain. Et tu t'es fait planter par tes potes qui viennent pas t'aider, c'est ça? C'était des copains de la gamine, ouais, qui devaient venir. Ouais. Et qui ont eu une sensibilité d'un coup pour les vendanges, apparemment. Je crois qu'ils n'ont pas compris que je les payais mieux que les vendanges, mais bon, tant pis pour eux. Hein. Tant pis pour moi aussi, tu me dis. Oui, je veux dire, tant pis pour toi surtout. Parce que c'est toi qui fais en galère. Alors, du coup, je fais du diorama, mais en lifestyle en ce moment. Ouais, tu refais la part, toi. Ouais, bah, je donne des coups de peinture là où il y a besoin, je nettoie là où il y a besoin. On place deux, trois trucs, et puis voilà. Tout ce que j'aime, moi qui déteste bricoler. Moi, j'aime les bricolages qui servent à rien en fait. Moi, ça veut dire, j'aime bien bricoler, mais j'ai beaucoup de mal à m'y mettre quand il faut m'y mettre. Pourtant, j'aime ça. Bah, c'est-à-dire que j'aime bricoler quand c'est pour moi, quoi. Là, je bricole pour quitter une maison, tu vois, donc c'est pas très motivant. Ouais. Ah, la plus peinture. Là, ce port, c'est peinture. Attends, j'ai mon compresseur qui marche. Il y a David qui te dit bonjour, Stéphane. Eh ben, bonjour, David, parce que du coup, moi, je regarde pas, là, je fais qu'écouter. Donc, bonjour, bonjour. David qui dit, oui, ça peut être un bon partenaire. C'est possible, ça, on s'en fera peut-être plus. C'est possible, ça. De quoi? Parce que David qui me disait que je mets pas, sur les lives, je mets pas assez de liens partenariat Amazon. Genre avec des liens pour vendre un aérographe, ce genre de choses. Parce que c'est des liens qui me rapportent de l'argent. Il a pas tort. Non. Ouais. Et c'est vrai que j'y pense sur les vidéos normales, mais pas sur les. Pas sur. Comment sur. Sur les lives, j'y pense rarement. Il y a des liens qui sont tout le temps là, c'est les liens de mon matos vidéo, parce que bah, ça ne change pas. Mais c'est vrai que comme j'essaie à chaque fois d'adapter par rapport au matos que j'utilise, les peintures, tout ça, je pense pas à le faire pour les lives. Et il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je laisse en permanence, genre les liens d'aéro, ce genre de choses, c'est des choses qui servent régulièrement. Ouais, puis ça peut intéresser les gens. Ouais. Alors, tu nous fais quoi de beau là? T'as avancé un peu? Ah oui. T'es en train de regarder quand même. J'ai jeté un coup d'œil. Bah, j'ai fait toute la peinture, toute la couleur de base et là, je suis en train d'attaquer les ombrages. Donc, en gros, je mets en évidence les reliefs si tu veux. Mmh. Ça commence à prendre forme là où au début c'est vrai que je voyais pas trop ce que ça pouvait donner. Bah là, ça change.
On ressent beaucoup plus les reliefs. Après, toi, mais ça sera adouci après les. Tous ces trucs-là, hein, tous les ombres, ils seront adoucis après. Mais dans un premier temps, ils sont assez, bon, ils sont assez rudes, mais c'est normal. Mais toi, Stéphane, t'es en plein projet aussi? Ouais, je suis en cours, j'ai fini mon dragon, hein, le premier. Et j'ai attaqué un deuxième un peu sur le même style. Hein. D'accord. Je suis en train de faire. Là, ce soir, j'ai vu des rochers. Bon, désolé les gars, je vais un peu moins suivi ces derniers temps, je suis un peu débordé. Ouais, bah t'as intérêt à venir, sinon j'ai oublié de te botter le cul, moi, tu vois. Bah tu vas pas me voir beaucoup, plus je vais avancer vers la date du déménagement, c'est-à-dire jeudi, moins vous allez me voir. Et puis après, bah, y avoir l'emménagement. La route et l'emménagement, donc. C'est ça le truc, c'est qu'après, t'as tout ça derrière. Alors moi, j'ai un truc qui est bien avec ma femme, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait un déménagement, ma femme, elle arrive à te défaire tous les cartons le jour de l'emménagement. C'est-à-dire que le soir, t'as plus un carton dans la maison. Alors, je peux te dire, je sais pas ce qui va nous arriver. Je pense qu'on va faire le plus gros, le plus important, et ça passera après. Ça nous aura tellement passé d'énergie avant. Faut dire que quand tu prépares un déménagement, une mutation, une recherche de logement, enfin tout, en un mois et demi, c'est épuisant, quoi. Ouais, je veux bien te croire. Et puis en plus, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, t'as plein de merde chez toi, en fait. Ah ben c'est clair. De... Ah mais tellement. Et même si t'as l'impression de, c'est pas le cas. Tac. Alors. Moi je pensais que le gros du déménagement ça serait ma collection et finalement ça a été ce qui a été presque le plus facile à gérer. Quoi. Le plus gros du déménagement c'est des fringues à madame, c'est ça non? Non, le gros du déménagement là ça va être surtout. On est dans une maison à étage, tu sais, alors ça va être l'électroménager, genre le lave-linge qui est au deuxième étage. Ouais, ça va être... Ça peut s'avérer relou, ça, je te l'accorde. Ouais, en plus, on est dans des escaliers qui sont pas super pratiques, un peu biscornus, etc. Ouais, ils vont passer par la fenêtre. T'as pas vu la gueule de mes fenêtres, hein. Du coup, ah, c'est sûr, c'est des Velux. Non, c'est pas des Velux, mais tu sais, c'est les fenêtres à l'ancienne, en fait. Une maison, c'est une vieille maison, c'est les vieilles bâtisses qui, à l'époque, étaient des espèces de granges et tout ça qui ont été rénovées. Mais même si là, il y a énormément de travaux à faire, mais les fenêtres, on peut pas passer. Ils ont mis des espèces de barres en bois, tu sais, télé dans le mur, qui casse un tiers du volume de l'espace de la fenêtre, quoi. Donc à moins de péter ça, tu peux pas passer, en fait. Ouais, Robert, t'as embauché des professionnels, t'inquiète pas. Ouais, c'est ce qu'il a fait, mais apparemment. C'est pas ce que j'ai fait parce que c'était juste hors de prix, quoi, surtout. Ah, puis les mecs, ils savent comment gagner de l'argent. Hein. Ils te proposent un déménagement en te disant alors, on déménage on charge le 8, on fait le trajet le 9 et on décharge le 10. Comme ça, tu prends 3 jours de. Juste cage. Entre guillemets, de camion et de garde-meubles. Alors, je veux bien qu'on soit à 600 bornes, mais quand même, quoi. Et tout ça pour en plus un petit volume, et alors que je fais tous mes cartons et que je défais mes meubles, ils ont qu'à charger. Pas déconner. Oula, qu'est-ce qui se passe, David? Ça bug. Ah bon? Ah, moi j'ai rien de mon côté. T'as ton icône qui clignote, je sais pas ce que. Attends, je regarde. Non, le live, il est bien. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est revenu. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic.
Tec. Ouais, c'est quand même déjà plus sympa comme ça. Voilà, je vais finir juste mon petit godet. Voilà, hop. Putain, il fait chaud les gars ici. Oh là là. Oh. Je transpire les gars, je vous jure, rien de faire ça, je transpire quoi. C'est un truc de ouf. Tu vas le rééclaircir après. Je vais refaire des lumières, il va y avoir un broche blanc. Donc ouais, il va y avoir quelque chose. Il y aura encore d'autres traitements de peinture à faire, oui. Je vais peut-être refaire des lavis dans toutes mes fissures. Ça crispe un peu la main, donc on peut se détendre deux petites minutes la main quand même. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Tu devras, ok, je pense que ça fait, j'ai vidé mes tiroirs après avoir changé certains de mes meubles et bah c'est fou ce que pour accumuler dedans qui ne sert à rien. Ouais, je confirme. Avec moi dans mon atelier, dans mes tiroirs, j'ai des trucs, ils serviront jamais à rien quoi. D'accord, complètement d'accord. Les tiroirs, c'est les meilleures cachettes, c'est les meilleures cache-misères. Ouais. Il y a un autre truc aussi, c'est tu gardes des trucs pendant 5 ans en te disant qu'ils vont te servir un jour à quelque chose. Là, j'en ai balancé une tonne il y a une semaine. Ouais. Et là, ce soir, je voulais un petit pot pour mettre une petite dose de peinture pour faire mes entourages de fenêtres. Et là, bah, je me dis, c'est con, j'ai plus de pot en fait, j'ai tout balancé. Voilà, donc je les ai gardés pendant 6 ans et le jour où j'en ai besoin, je les avais plus. Alors, il y a David qui nous fait, t'aurais mieux fait de louer une grosse camionnette de 20-25 mètres cubes, ça t'aurait coûté moins cher. Et mais c'est ce que je fais en fait, je loue un camion de 22 mètres cubes pour déménager. Ah bah voilà, tu c'est vois. C'est une très belle idée, preuve, je l'ai eu aussi. Alors, mes lumières, j'ai dit que je les ferais avec. Alors, avec un jaune. Mais que je. Attends, il est où le jaune? Ici. Mais je vais éclaircir un peu mon jaune parce que du coup je pense que jaune sur jaune là ça va pas faire donc hop mon blanc voilà. mon blanc pas le mont blanc pas la montagne les gars hein. Tout de suite hein. Vous avez vu le niveau de l'humour de ce soir les gars, c'est magnifique le dessert tu veux dire. Ah oh, j'ai jamais aimé tu vois. Non j'aime pas non plus mais... C'est vraiment c'est un truc, j'ai jamais kiffé le Mont Blanc. Déjà, j'aime pas le chocolat, moi. Voilà. Putain, si j'avançais mes dioramas aussi vite que mon bricolage à la maison, putain, j'en serais plus à 0,2%. Non. C'est bon, je crois qu'il y avait une galère, mais c'est bon. Excuse-moi, tu disais quoi, Stéphane, du coup? Je disais, si j'avançais mes dioramas aussi vite que ce que je suis en train d'avancer en ce moment, ça ferait longtemps que je serais plus à 0,2%.
Alors, ouais, ça sera pas assez clair. J'ai mis trop de jaune dans mon mélange. Voilà, c'est mieux là. Bonne lumière avec ça. Mon diluant. Tac. Petite cochonnerie dans ma bubuse, on dirait. Hop, on va remettre la buse en place. Je m'en fous plein les doigts, mais c'est pas grave. Alors, attends. Hop. Je vais me rincer les mains, je reviens tout de suite. Un peu chier d'avoir une cochonnerie maintenant que je me rends compte. Je me rends compte qu'une fois que j'ai fait mon mélange de peinture. Ça me fait un peu chier. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Hop, voilà. Alors, j'ai des mains propres. Du coup. Oh putain, j'ai été obligé de vider le bord. Ah, attends, je vais récupérer la peinture dans un petit pot. Ça me fait chier d'acheter. Ah, voilà, un petit pot, c'est très bien. Il faut que je démonte l'aéro, j'ai une cochonnerie dedans. Hop, voilà. Ah putain, j'ai foutu de la peinture sur mon portable. Ouais, j'ai perdu trop de peinture, c'est pas grave. Hop, voilà. On va rincer ça dans mon évier. On va passer à la machine d'ultrason pour le temps 2. Tac. Désolé, hein, du coup, je suis pas très bavard, mais je bricole. Hein? Tu disais quoi? Je dis désolé, je suis pas très bavard, mais vu que je bricole. Ce n'est pas grave. Hop. Tac, tac. On va prendre la machine. On va mettre l'aéro dedans. Hop. Tac. La buse, le cache-buse, l'aiguille. On va lui faire faire un petit cycle tranquille, ça va pas lui faire de mal. Tac. Voilà. Ça, on va faire un petit coup ici. Et du coup, je vais repréparer un peu de peinture parce que je n'ai plus assez dans mon golet. J'en ai trop perdu. Une ou deux gouttes de celui-là et ça sera bon ça. Voilà. Tac. Un petit peu de thinner.
pour diluer tout ça. Hop, voilà. Un petit coup dedans quand même d'épinaire. Voilà. Alors besoin de quelques gouttes. Voilà, tac. Lui il est prêt. Alors qu'est-ce qu'on aura comme nouveau? T'as un fil de moi qui a eu. Ah bah non, il n'y a rien de nouveau depuis tout à l'heure. Tac. On va checker ce qu'on a dit ici. Tac. Ok, tac. Paf. Je suis désolé. Tac, 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 tac. On a qui? On a 7 gemmes. Oh, on en a un 7ème. Ça, c'est bien. Je sais pas qui c'est, mais merci à toi. Merci numéro 7. Dis-moi, David. C'est toi? Eh ben écoute, merci Stéphane alors. Non, c'est pas moi. Alors tu disais quoi? Je te disais, dis-moi David. Moi David. Non, dis-moi. Oui, bah moi. Toi qui connais, j'ai des bandes de LED, mais qui fonctionnent en USB. Ouais. Si j'enlève le. Si je coupe le fil USB, je peux ressouder des fils? Non, parce que souvent, en fait, le branchement sur USB sur lequel tu vas le mettre, c'est sur le branchement USB que tu auras le transfo qui va réduire le courant pour pas exploser tes LED. Donc si tu le réduis et tu le coupes pour le brancher sur une prise normale pour le brancher sur le courant, tu vas griller directement ta bande de LED. C'est pas fait pour. Ouais, ouais, non, mais ça j'avais bien compris, mais c'est ce que je voulais savoir, c'était normalement sur les bandes de LED, t'as trois broches. Ça dépend lesquels t'as trois. Ouais, après ça dépend lesquels, tu me diras, ouais, c'est vrai. Souvent la troisième, c'est quand t'as une commande en plus, quand tu veux changer de couleur ou ce genre de choses. Si c'est une lumière basta, t'as que deux bornes dessus. Mais sur des câbles USB, normalement, t'as pas que deux fils dedans. Je saurais pas dire, j'ai jamais démonté de câble USB. Donc je peux pas te dire. Et des rallonges câbles USB, ça existe bien ça. Oh oui, ça existe. Moi j'en ai, tu vois, ça, non, ça existe, sans problème. Allez, hop, on va ressortir l'aéro. Alors, la buse elle est là. Mon aiguille elle est là. On va vérifier qu'il n'y ait pas encore de saloperie dans mon aiguille. Je sais qu'il y a encore des cochonailles dans ma buse. Bon, je sais pas si vous voyez ma buse, mais voilà. Hop. Bon, c'est bon, il n'y a plus de cochonnerie dedans, on dirait. On regarde dedans. Ah, si, encore quelque chose dedans dans ma buse. Voilà, là elle est bien ma buse. Donc ça c'est bon. Voilà. Alors, on rappelle, on rentre la buse, l'aiguille à l'envers. Tac, buse, cache-buse, on revisse. Hop, et on serre l'aiguille. On voit que l'aiguille elle est bien, on remet en place le godet, la queue, on rebranche et on teste pour voir si c'est bien propre. Tac. Oh oui, ah il est bien là. Tac. Ça c'est bien parfait. Alors. Voilà, parfait, là on est bien. Allez, on continue.
sais pas si vous les sentez les nuances que je fais du coup. C'est vachement. Ça se voit, mais c'est vrai que c'est pas. Je pense pas que ça sente plus autant que, le... que les ombrages que j'ai fait tout à l'heure à la caméra. Karaté Kid, avec pas un sens. Comment ? Si je me prends pour Karaté Kid avec mon pinceau, là, je fais du sport en même temps. En haut, en bas. En haut, en bas. C'est comme ça, monsieur Miyagi ? Ouais, c'est la technique du pélican. C'est quoi qui fait du bruit, David ? L'aérographe ? Ou la machine à ultrasons ? Ou autre chose, peut-être ? Son vibromasseur. Comment ? C'est son vibromasseur. Ah, c'est son vibromasseur. Excuse-moi. Désolé, David, c'est ton vibromasseur. L'aéro, on dirait qu'il fait qu'il a un cheveu sur la langue. L'aéro a un cheveu sur la langue. Je l'avais jamais entendu celle-là. C'est un aéro zozotographe. Ouais, c'est un aéro qui zozote à mort. Alors, il y a un petit culement qu'on entend, si vous voyez, il y a des bulles là qui sortent. C'est simplement les résidus de liquide de sel qui sont qui sont à l'intérieur de l'aéro. Ça gêne pas la peinture, mais ça sort par là. Comme je suis en live, du coup, j'ai révisé tout de suite. Si j'avais pas été en vidéo, j'aurais laissé l'aéro se reposer 20 minutes, une demi-heure avant de le reprendre, quoi. Mais là, du coup, comme j'ai enchaîné, il y a encore un peu de liquide dedans qui réagit avec l'air sous pression. Et c'est peut-être la truelle de Stéphane qu'on entend. Je suis au pinceau, moi, donc ça va. Oui, enfin, ou ton pinceau, ta brosse. T'as trué la poêle. C'est ça. Ça, parce que les mecs, ils fantasment que je peigne à poil aussi. Bah, si tu veux pas te salir, c'est ce qu'il faut faire. Bah, faut se mettre à poil. Ouais, bah, tu veux pas te salir, après, bonjour la douche, quoi. Il faut que tu prennes, quand tu peins. Après, tu demandes à madame de te frotter le dos. Bientôt, on va savoir que Roxo, il fait ses dioramas à poil maintenant, ça y est. Moi, on a une piste. Pas encore, mais. Ouais. Tu sais, quand je suis pas en live, moi. Mais il y pense. Non, du tout, non. C'est pas le style de la maison. Alors que moi, par contre, si je suis pas en vidéo, je peux dire que je me gêne pas pour mettre à poil pour bosser.
Je vous jure, qu'est-ce que je kiffe ce plateau tournant, les gars. Je le répète tout le temps, hein. Mais alors, je vous jure, j'adore, moi. C'est super méga top pratique. Ce que tu avais pris, c'était un plateau Ikea, donc c'était un truc détourné, donc c'était pas... Ouais, c'est un plateau Ikea à 5 euros, plateau à fromage. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est une bonne idée. C'est tout con, mais c'est super pratique, je vous jure. Je peins plus jamais sans ça, hein. C'est anecdotique si je l'utilise pas pour faire mes peintures. Hein. À la limite, quand on fait de la structure, pas trop, parce que c'est pas fait pour, ça bouge. Mais si j'ai juste pour tourner comme ça, c'est super pratique. Désolé pour le bruit. C'est pas grave. Ça compense avec Stéphane qui fait pas de bruit, qu'on n'entend pas beaucoup. Je t'observe. Je savais bien que je me sentais surveillé, épié, espionné. Ah, n'empêche que c'est quand même... Le dernier diorama que j'ai fait, c'est, comme je t'ai dit, je crois, une fois, c'est suite à tes techniques extraordinaires. Oh, technique extraordinaire. Elles n'ont rien d'extraordinaire, mes techniques, hein, c'est ça, c'est des techniques. En plus, tout ce que tu vois là, par exemple, c'est que des techniques de base. Hein. Couper quelques bouts de poli, tremper du côté dans de la colle, c'est, il n'y a rien de... Ce sont pas des techniques extraordinaires, c'est juste des techniques réutilisées de façon peut-être un peu moins commune. Mais on a des techniques qui n'ont rien de compliqué à mettre en place. Hein. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est parce que ça l'est pas. Hop, hop. Ça n'empêche que toutes les personnes qui ont vu le dernier duo que j'ai fait, ils sont tous... émerveillé par les dalles et les briques. Ouais. Ils connaissent pas la technique du caillou. Non, mais ça prouve effectivement que dans une technique simple, tu peux avoir un résultat qui, lui, ne semble pas l'être du tout. On est bien d'accord. Hop. Tac. Tac. Je vais repasser un petit coup de jaune, vraiment de jaune normal, pour alléger un peu mes ombrages qui sont un peu forts par endroit quand même, je trouve. Pour un prochain live, c'est technique de diorameur adaptée au life size, à la vie réelle. Du coup, tu vas peindre ton mur à l'aéro, c'est ça? Voilà, avec des ombrages pour cacher les taches d'humidité ou des choses comme ça. Thank you.
droit de moquette. Tu rigoles, mais j'ai fait un mur entier avec une espèce de brossage à sec pour le pour qu'il soit plus net parce qu'il était un peu décoloré. Ça rend super bien. Hein. Sur un, faux, un papier peint en faux crépi, là, un brossage à sec, c'était super. Alors, je connais un mec, il a pris sa porte de chambre en bois. Il l'a entièrement enroulé, il a mis de la peinture en rouleau dessus. Et avant que la peinture sèche, il a tout essuyé à l'éponge. Et en fait, du coup, ça agit un peu comme un broche et ça a mis en relief toutes les nervures, en valeur, toutes les nervures du bois de la porte. Et ça faisait super beau. Ah, c'est carrément pas con. Hop. Tac. Tac. Là, je dirais que j'adopte plus des techniques de photo. Pour peindre, hein, puisque j'ai le pinceau dans une main et la LED pour la toile photo de l'autre côté. Donc, je peins à la LED, en fait. Bah, tu peux faire comment s'appelle la peinture photo, là? Vous savez, quand tu fais de la pose longue avec des lumières, avec des jeux de lumière. Le light painting. Ah, merci, le light painting. J'ai eu un trou de mémoire, là. Tu préfères du light painting, du coup? C'est ça. J'avais déjà fait ça une fois ou deux, c'était marrant, j'ai bien aimé. Je m'étais amusé à dessiner mon moins qu'une adaptation de la technique de longue expo quand tu fais des photos nocturnes, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Hein. Et tu joues sur le fait que techniquement, ta source de lumière a fait une surexposition pour imprimer ton motif. C'est ça. Hop. Je me rappelle même être monté dans ton estime le jour où j'ai parlé de fil tipette. Ça t'avait mis sur le cul, je crois. De quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. Je crois me rappeler que je t'avais mis sur le cul le jour où j'ai parlé de fil tipette. Tu t'y attendais pas, que j'étais monté dans ton estime ce jour-là. Oui, oui, oui. Oui, bah, on n'est pas nombreux à le connaître. Bah, faut s'intéresser au sujet, quoi. Faut s'intéresser, exactement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse aux effets spéciaux dans le grand sens du terme. Ouais. Hop, c'était à l'ancienne, les stop motion et compagnie. Hein. C'était à l'époque de la création, du développement de Jurassic Park et tout, quoi. Ce qui est fou, c'est le nombre de films auxquels il a participé et que finalement, c'est quelqu'un qui. C'est vraiment un génie de l'ombre, en fait. Personne ne le connaît quasiment, alors que tout le monde a vu des films où il était dedans, quoi. Exactement ça. Alors. Hop. Là, on va repasser du blanc sur les. Non, du jaune d'abord. Je vais mettre pas du blanc, du jaune. Okay, j'ai rincé l'aéro. J'ai avec le peu d'eau qui reste dedans. Ouais, ça fait plus de bulles maintenant. Le temps, l'air a fini par éjecter tous les résidus de liquide vaisselle, donc il n'y a plus de bulles dedans. Donc là, j'aimerais faire quelques petites touches de jaune, peut-être à droite, à gauche, histoire d'adoucir légèrement certains effets. Hop. Hop, hop, tu viens là, on te remue, et puis voilà. Ok, alors, on va continuer un peu là. Ah ouais, c'est plus sympa comme ça.
Enfin, du coup, je repasse un jaune sur mon marron. Ça l'adoucit légèrement et ça le réchauffe un petit peu. Et là, le rendu est plus sympa. Alors, je sais pas, je pense pas que vous le voyez là, car vraiment, là, je l'ai fait là. Je pense pas que vous voyez de différence à la caméra. Mais franchement, ouais, si visuellement, à l'œil nu, on sent qu'il y a quelque chose. Et c'est quand même plus sympa. Passe un petit coup là aussi. J'aurai des petits coups de marron à repasser vite fait par retouche. On a bien adouci la chose. Ok. On va repasser un petit peu de marron. Là. Voilà. Est-ce que là il va reprendre? Ah, là il va repris, c'est bon. Alors, je vais devoir vous laisser, tout ça super sympa, vous m'aurez bien accompagné sur le reste de ma replay. Bah écoute, bonne nuit Rémi. Je reviens dans 5 minutes. Ouais, vas-y, ok, d'accord. Ouais, c'est revenu, heureusement, je me suis rendu compte assez tôt pour remettre en marche le live. On va faire une petite touche de marron, il n'y a pas BZF à faire en marron. Il y a quand même quelques retouches de marron à faire. Alors vraiment, pas grand chose. Là, c'est vraiment limite une goutte à mettre. C'est une grosse goutte ça. C'est une grosse goutte ce que j'ai mis. Alors, on va faire avec. Parce que ça va être bien dilué.
Ouais, c'est... Alors. Mon blanc jusqu'à ce mon godet que du blanc, que du blanc, que du blanc. Ok, alors toi, éjecter le cap dedans. Ça. Voilà. On va prendre un cure-dent propre pour remettre. Ils sont à quel étage mes cure-dents? Ils sont là. Tac. C'est qu'il est 23h, ça va, il est pas trop tard. Voilà. Là, on est quand même bien plus blanc. Là. On va le laisser sécher quelques minutes, juste assez pour que je puisse refaire une petite couche d'ombre par-dessus pour faire mes ombrages dessus. Les ombrages, je vais pas les faire en jaune parce que ça va faire trop jaune sur jaune. Je vais me les faire en noir ou en marron. Je les fais mes ombrages sur la fumée. Moi, ça aurait été moi, je les aurais fait en bleu. Ouais, mais le problème c'est que la poussière elle est pas bleue sur le décor. En bleu ciel. Attends, j'essaie d'imaginer la chose. J'essaie de me le faire dans la tête. Le bleu ciel, le bleu ciel, le bleu ciel. Tac, 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 tac.
Ouais, on marque 6, puis ça, ça m'apporterait une touche de couleur différente. Ouais, après tout. Ouais, ouais, ça, ça m'a apporté une touche de couleur différente. Hop, mes peintures, elles sont. Ah bah non, c'est encore, encore un bon point. Ouais. Alors, mes peintures sont là. Tac. Alors. 1, 2, comme ça. Ok. Hop. Voilà. Alors un bleu, je vais le couper avec un peu de blanc et puis voilà. Je barre un coup, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et une fois que ça sera fait, on va attaquer le mélange qui va nous servir à faire la. À faire comment ? À faire le verre pour faire le flocage. Ah, faut aussi qu'on fasse les dalles d'ailleurs. J'ai toujours mes petites dalles qui traînent ici. Il va falloir faire. On en fera aussi après. Les petites dalles, on va en avoir une là. On va en avoir une par ici. On va en avoir une de mémoire par ici. On va en avoir une ici. Et une ici. Voilà, ça va, mais elles seront dans les teintes plutôt gris, gris clair. Tac, tac, tac. Hop, voilà. On va se les mettre de côté. On va s'en peindre 2-3 au passage. Hop. Bah d'ailleurs on va se les faire maintenant en attendant que ça se sèche après tout. On va essayer de s'en faire maintenant. Qu'est-ce que je. Ah je vais essayer de me les mettre au bout de. Hop, au bout de pique. Un petit peu de poli. Là, j'ai du poli. Très bien. Tac. Tu utilises quoi des. Combien d'épaisseur tes plaques de poli pour faire tes dalles et tes briques? Ça c'est du 3 mm. Celui-là c'est du 3 mm. Après, ouais, quand je fais mes briques, sinon en général. Seiya, je tape plutôt sur. Je prends des plaques de 2 cm et je les retaille sur du 1 cm d'épaisseur pour faire mes briques et mes dalles en général. 1 cm d'épaisseur pour. Ouais, je t'ai du 1 cm dans une plaque de 2. Parce qu'une plaque de 1 cm n'existe okay. pas. Sinon, t'as du dépron qui fait 9 mm. Hein, si à 1 mm près, ça pourrait le faire. Mais le texturage sur le dépron, c'est pas aussi beau. Donc, je l'utilise pas pour ça. Et en plus, ça coûte plus cher. Donc, je préfère largement utiliser le polystyrène de 2 cm qui coûte beaucoup moins cher que le dépron de 9 mm. Tac. Ouais, ça suffira largement. Tac, voilà. Alors, on va se faire un petit mélange blanc-gris. Mon blanc, mon gris. On va essayer avec une goutte de gris, voir déjà ce que ça donne. J'en ai dedans, c'est bougé ou quoi? Regardez une bouchée de bordel. Hop. On va regarder dedans. Ah ouais, il y a un petit bouchon. Tac. Voilà. Hop, voilà, une goutte. Yeah.
On va rentrer une deuxième goutte histoire de. Hop, voilà, une goutte. On va remuer ça encore une fois. Et je pense que là, alors je sais pas si vous la voyez la couleur, mais. Oh, ouais, on est bien, ça suffit l'argent. Alors on sera un gris très clair. Donc ça nous suffira largement. Ça se barre, faut le remettre dedans. Hop. On va mettre une goutte de ça. Voilà. Hop. On mélange. Voilà. Et on va peindre. Voilà. Ça se sent à peine, tellement clair qu'on le sent à peine. On va faire juste des ombrages, c'est tellement clair qu'on va pas faire de lumière. Faire les ombrages avec le gris normal. Lui il est là. Alors, salut Sylvain, tu vas bien? Alors, soirée R exactement. Noir léger. Il fuit, il y a un bruit. C'est juste, tu sais, je l'ai passé à l'eau, donc c'est juste l'air qui ressort par ici, l'eau qui ressort, l'air qui fait bouger l'eau qui est dans la gâchette. C'est juste ça, c'est pas une fuite, c'est que je l'ai passé sous l'eau il y a pas longtemps, et vu que je suis avec vous, bah du coup je prends pas le temps de le faire sécher. Bleu ciel, pourquoi? Parce que ça donne un effet nuage, le bleu ciel, je pense, et c'est à ça qu'il pensait le Stéphane. Mais c'est vrai que moi, ça va peut-être m'apporter une petite légère couleur. Bien que, plus j'y pense... Plus je me dis que ce sera pas cohérent, puisque c'est plus de la poussière que du ciel que je veux. Je sais pas, j'ai le temps de faire mes dalles avant de me décider pour moi-même. Tac, voilà. On va remuer ça. Ou alors tu utilises une couleur sable. Ouais, je sais pas. La couleur sable, après, si j'ai rien en couleur sable sur le dio, ce sera pas cohérent. Bon allez, je crois que je vais rester sur ma couleur terre. Et le fait d'en mettre peu, elle sera vachement claire, mais je pense que je vais rester sur ma couleur terre à mon avis. Ce sera plus cohérent avec le thème du jeu. Ouais, c'est mieux. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je fais, donc c'est bon. Salut Julien. Ben oui, c'est censé être de la poussière projetée par l'attaque, donc ça peut pas être une couleur qui n'a rien à voir selon moi. Bah oui, faut que la couleur soit cohérente. C'est ça que je pense que là je vais rester sur ma couleur terre. La couleur que j'utilise en fait pour les ombrages. Et sachant que ça sera mis directement sur le blanc, elle sera éclaircie, mais ça restera la même couleur de base. Ben alors, merci. Julien, oui, ça apporte une autre couleur, mais je sais pas si... Ouais, non, ça pourrait apporter une couleur, le bleu, mais c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je me dis que le bleu serait pas cohérent avec le résidu. Et sachant que ce qui apportera d'autres couleurs sera l'herbe qu'on va rajouter après, plus les figurines, faut prendre en compte que les figurines vont apporter de la couleur aussi.
bisous. Un par un. Le dernier dalle. Voilà pour la dernière dalle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, on nous dit rien de plus, donc c'est bon. Tac. On va mettre de côté pour l'instant. Tac, tac, tac. Et là, ouais, on va pouvoir se faire les ombrages. Les ombrages, on m'a dit qu'on se les faisait en marron. Hop, je vais mettre un petit collant dans mon modèle, je reviens tout de suite. Hop. Me voilà. Me voilà, me voilà, me voilà. Donc c'est bon, ok, le godet est propre. Je viens d'éjecter le quai dedans. Plein de flotte dedans encore, hop. Voilà. Donc j'ai dit que je mettais quelques petits coups de couleur terre. Hop, là ça rend pas grand chose. Voilà. 5 gouttes. Une goutte de ça. Voilà. Thank you.
Ok. Donc là, on va passer à la texture verte. Donc ce soir, plus d'aéro pour ce soir. Hop, on va ranger ça. Et on va passer à la dernière étape. C'est mon outil préféré. On va passer à la dernière étape de la soirée. Et celle où il faut pas se planter, parce qu'une fois qu'elle est faite, elle est faite et c'est fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre focage déjà coloré. Donc, je vais faire un mélange d'eau, de colle à bois, de sable et de peinture verte pour avoir ce mélange à tout près. Je vais le mettre là où on va mettre de l'herbe, en fait, ça fera un aspect herbe. Et une fois sec, j'aurai plus qu'à faire des ombrages dessus et après des broches. Et quand ça sera sec, il faut aussi que je mette les dates dessus. Oulie, j'ai mis un fil dans ma caméra. Donc, ok, pour ça. Donc, qu'est-ce que je cherchais? Mon sable, il est là-bas, ma fille a joué avec. Ici, il est là. Merde, du coup, ma fille a joué avec, donc il faut que je tamise un coup. Mon tamise, il est là-bas, je crois, il me semble. Faut que je fasse le tour. Il est où? Vous allez voir, il est par ici le tamis. Il est là, voilà. Hop. J'ai un tamis ici. J'y vais récupérer un récipient ici. Voilà, hop. Et un deuxième récipient. Ça sera plus pratique un deuxième. Hop. Deuxième, il est où? Il est là, le deuxième. Voilà. Numéro 1, numéro 2. Hop. Alors, hop, hop. On va prendre un peu de sable là-dedans. Non, non, sans s'en mettre dessus, parce qu'il est plus gros. Hop. Un peu de sable. Mais le sable, c'est ce qui va remplacer ton flocage. C'est ça. C'est ça, exactement. Voilà. Hop. Ah, tu mets pas du vrai flocage alors? Non, 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 pour l'aspect que je recherche, ça va pas faire du vrai flocage. Ça sera pas cohérent. Leur tamiser un coup au cas où, et normalement ça va pas servir à grand chose, mais on sait jamais. Je vais le refaire. Voilà, allez, ça c'est bon. Et alors, on va mettre tout ça dans celui-là. Maintenant, il va me falloir je remplir ça d'eau. D'eau propre, du moins, je veux dire. Il y a l'autre dedans, mais pas l'eau. Tac. Hey Stéphane, tu vas bosser toute la nuit? Bonne partie, oui. Oh, donc il n'est pas prêt de partir du live, le Stéphane, alors. Mais t'as pas de voisin? Ah, tu fais pas de bruit quand tu peins? Ouais. Ouais, mais pourtant, je sais pas, j'entends gratter, moi, chez toi. Parce que j'ai le téléphone à côté du pinceau, quoi. Ah, c'est pas du papier que tu passes pour lisser? De quoi? Je dis, tu fais que de la peinture, tu ponces pas un peu tes murs? Ah non, là, c'est que de la peinture. Je me fais chier pour rien, en fait. C'est pas ça qu'il me faut. C'est juste un piqui et gobelet. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Puis c'est dur. C'est dur. Comment on va dire? C'est de la remise à niveau, on va dire. C'est pas de la peinture intégrale. Pour que ce soit propre, quoi. Je sais pas grand-chose, toi. Je sais
directement faire ça peut-être. Qu'est-ce que ça nous donne si je fais ça? On est pas loin du brossage à sec, comme je disais tout à l'heure. Ok. Ah, s'il fallait que je remette tout à neuf, je t'explique, tu passerais 3 semaines. J'ai 3 jours, donc. Ça va, tu t'en sors avec tes mixtures, David ? Oui, oui. Alors, tu nous fais quoi, ça ? David, il n'entend pas. Si, si, j'ai dit oui, si, si, je m'en sors. Ah bon, parce que je t'entendais pas répondre. Oui, si, si. Tu parles dans ta barbe. C'est possible. Ouais. J'ai mis un peu trop d'eau, faut que je rajoute du sable. Ce qui en soit n'est pas trop un problème, mais il faut que je le fasse. Alors, on va reprendre du sable. C'est d'avoir la consistance, la bonne consistance, celle qui va être pratique à travailler. En gros, j'en mets un petit peu, je pense. C'est pas assez. Qu'est-ce que ça fait avec ça? Tu cherches à faire une pâte? Ouais, un peu une pâte. J'essaie de trouver la consistance qui va me convenir. Je vais peut-être rajouter un peu de colle à bois dedans quand même. Je crois qu'il n'y en a pas assez. On va dire que ça dure 6, mine de rien. Deuxième truelle, c'est bon. Voilà, ça suffit largement. Hop, voilà. Là, bon, on est sûr que la colle, il y en a assez pour remettre du sable. Ça, c'est pas un souci. C'est plutôt en train de faire des sables mouvants. Ouais, un peu. On va se mettre à cuire. Tac. Alors, moi je pionce. Bonne nuit David et bonne nuit monsieur. Attends. Oui, c'est censé être. Une couleur, n'oubliez pas le pouce bleu, ouais, merci David. Oui, j'ai aussi fait dodo, je crois. Tu avais déjà fucké sur ce. Non, j'ai jamais déjà fucké sur ce dieu, sinon il en avait déjà, tu vois. Moi, j'ai jamais fucké ce dieu-là. Ouais.
Bah tu vois, j'aurais jamais pensé avec du sable. Moi je fais ça avec de la sueur de bois. Ouais, tu peux, ça dépend des... Mais pour l'échelle que je veux, le sable c'est parfait, tu vois. Mais avec la sueur du bois, on peut, hein. Tout dépend du rendu que tu veux, de l'échelle que tu veux travailler et tout. Ouais, mais enfin, je sais pas, la caméra je vois pas, mais ça te fait des grains ou pas? Oui, si, ça fait comme des grains, puis au séchage, tu vas les sentir des grains au séchage. Plus que maintenant. Oh, parce que bon, là, on dirait une crème. Mais... Ah, je vais rajouter encore un peu de sable après. Hein. Là, C'est de la peinture action, ça. Non, même pas, c'est PBO. Ah bon, c'est même pas... Ouais, c'est PBO. J'ai pas de peinture action. Oh bah, pff, moi j'en ai, mais parce que tout d'ailleurs, pour ce que ça me sert, c'est juste pour faire des, justement des mixtures comme ça, des trucs comme ça, ça suffit largement. Ouais. Ah, c'est long à douiller, putain, c'est long. J'en ai fait 10 fois trop en fait. Ouais, c'est ce que j'étais en train de remarquer. Je fais putain, ouais, il veut faire 2-3 touches d'herbe et. Ouais, j'en ai fait 10 fois trop. Ouais, pareil, il peut faire un stade. Hop, regarde ce qu'on va faire. Ça ne sert à rien d'en faire autant. Je vais en mettre dans celui-là. Voilà. Ça va, ça suffira. Merde, je m'en mets sur moi. C'est pas grave en soi. Voilà. Hop. Je vais garder juste ce qu'il y a dans le gobelet. Là, je vais mettre là pour l'instant. Par contre, si tu veux récupérer ton récipient, rince-le tout de suite. Ouais, oh, ça le temps que ça sèche, j'ai le temps de finir ça avant que ça sèche. Donc, je le rincerai tout à l'heure. Quand j'aurai fini la session, quand j'aurai fini le live. Dedans, ça lui fera encore pas de mal. Hop. Voilà. La puissance commence à être un peu plus sympa. Tu vas l'appliquer comment, au tampon? Ouais, avec des petites spatules un peu comme ça, tu vois. Et je vais le mettre vraiment uniquement là où j'ai besoin d'en mettre, quoi. Là, je vais pas taper. Un peu trop liquide.
peu. Je pense que là, ça va être le dernier coup. Voilà. C'est bon, là, j'ai obtenu la texture qu'il me faut. Ça devrait le faire, ça. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se planter, les gars. C'est là qu'il ne va pas falloir se planter. Alors, crème d'épinard, j'ai pas goûté, mais perso, je suis pas chaud pour le test gustatif ce soir, je te l'accorde. Verte a l'air top. Bah écoute, ouais, ça a pas l'air mal. Après, ça, rien n'empêche après de la retoucher un petit peu l'aéro en fonction de des besoins. Mais déjà, là, c'est déjà pas mal, je pense. Ça fera beaucoup moins de retouches, et c'est surtout qu'en faisant ça, j'aurais pas besoin de me faire chier à détourer, à être bien précis pour pas déborder quand je ferai mon verre. Même s'il faudra choisir mes lumières et mes ombrages, ça sera tellement plus facile. Tu avais déjà floqué sur ce duo Ah bah non, j'ai jamais floqué sur ce duo là. Il n'y a pas de flocage dessus. Je suis en train de le fabriquer, donc non. Alors. Hop, hop. Bon, même là-dedans, j'en ai encore 10 fois trop, mais c'est pas grave. Donc, j'avais prévu d'en mettre ici. Ouais, il faudra que je l'éclaircisse quand même. Il n'y a pas photo. Faut pas l'éclaircir. Voilà, on va essayer d'étaler un peu. Le but, c'est qu'on sente une petite épaisseur pour sentir l'herbe. Mais il ne faut pas que ça soit trop épais non plus, quoi. Juste assez pour la sentir. Donc on étale gentiment, doucement, sans s'énerver, sans se presser. Et ça, quand ça sera sec, je vous dis d'être tranquille, ça bougera plus par contre. Hop, on va remettre un peu par ici. Voilà. Elle vient d'où ta spatule? Oh, je me rappelle plus, ça fait trop longtemps que je l'ai. Je peux pas dire, ça fait vraiment beaucoup beaucoup trop longtemps que. Elle vient d'où ta spatule? À mon avis, je pense que. Quand on a dû l'acheter, j'ai dû l'acheter, je pense, chez Cultura, toi, me connaissant, mais alors, je peux vraiment pas te le confirmer. Je me rappelle juste que quand je l'ai acheté, il y en avait plusieurs avec. Oh, il y a un problème. C'est parce qu'il y a Jadio qui s'est connecté et on entend le retour de YouTube sur son micro, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ça va bien, Sylvain? Putain, j'ai bugué, je savais plus s'il fallait que je dise J.I.D.O., Sylvain ou Youpi. Ben, mon cerveau, il a bugué total. Donc, j'ai hésité pour lui demander si ça allait. Ah ben, il est reparti. Bon, finalement, il s'est dit, je l'aime pas ce con, je me casse. Ah ouais, il y a peut-être des problèmes de connexion.
Bon, je pense, oui. Je suis pas tout seul à t'avoir posé la question. Il y a Okiji là, ah bah. qui pose la même question. Ah bah voilà, bah du coup, t'as eu la réponse avec Okiji. Elle a été vendue. J'avais celle-là avec. J'avais quoi ? Il y en avait 3-4 comme ça. Je sais plus où sont les autres. Tiens, voilà, il y avait ça avec. Il y avait ça aussi avec. Tout ça. Tac. Ouais, c'est tout avec ces 4-là. Ces 4-là qui étaient vendus encore. Et c'est pratique. Mais genre, j'ai dû peut-être à l'époque, j'avais dû acheter ça peut-être 1 ou 2 euros les 4 machins. Hein, c'est tout. Hein, ça coûte rien. Ça, c'est du plastique. Alors, Jaiyu est de retour. Est-ce que cette fois, ça va marcher ? Son micro doit marcher parce qu'on entendait la télé derrière chez lui. Ouais mais il faudrait qu'il coupe le son YouTube. Ouais. Bah pour ça, il a coupé son micro, donc de toute façon, comme ça, il n'y a pas de problème, quoi qu'il en soit. Bah ouais, mais s'il veut dire quelque chose, il peut pas. Ouais, t'inquiète, quand il y aura quelque chose à dire, il le fera, je pense. Parce qu'il est déjà venu, donc il sait comment ça fonctionne. Peut-être que Poisson, il veut écouter et que dans les médias, il n'a rien à dire, ou il peut pas parce qu'il y a sa femme derrière, je sais pas, tu vois. Ouais, voilà. Hop. Deck. Ah, c'est long, ouais. Je vais vraiment y aller tout doucement. Mais alors, c'est vrai, la, c'est... la texture, franchement, ça fait. Après, je sais pas si vous le voyez bien. Il faudra que je donne un autre dans le début plus tard. Mais niveau texture, franchement, ça fait quoi. On sent vraiment l'épaisseur de l'herbe. Mais vraiment, c'est une épaisseur enfin, fine qui, du coup, qui est cohérent avec l'effet que j'ai voulu donner de c'est loin, quoi. Un peu, j'ai un effet de profondeur, tu vois. Donc, ah, c'est vrai, c'est du DBZ. T'aurais mis vraiment du vrai flocage, ça aurait pas collé. Je l'ai déjà fait, tu vois, mais c'est vrai que l'effet est pas du tout le même, quoi. Parce que là, tu aurais mis du flocage par rapport à l'échelle, ça aurait fait trop gros en fait. C'est mieux là pour le son ? Ah, là, je t'entends bien. Là, je t'entends bien. Ça va, mon Sylvain ? Bah oui. Et toi ? Ça fait un moment qu'on t'a pas eu sur le live, sur le Discord, mon Sylvain, dis donc. Ouais, bah j'ai eu pas mal de choses à faire, et puis des vacances, et puis le boulot. Ouais, tu m'étonnes. Mais je te suis toujours, hein, t'inquiète, hein, je regarde toujours ce que tu fais. Ah, je me suis dit, tiens, il aime plus ma gueule, il vient plus me voir. Non, non, pas du tout. Je viens tout le temps, mais en fait, tu sais. Oui, t'as autre chose à faire, quoi. Je suis un peu occupé aussi, bon, voilà. Des fois, je prends pas le temps. Chacun sa vie, mon Sylvain. Bon, en vrai, c'est que je déconne, hein, t'inquiète. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Alors, hop, voilà. Et bonsoir aux Stéphane qui sont là. Salut Sylvain. Salut Steph. Et Maverick aussi, d'ailleurs, qui est dans le coin. Bah, c'est un Stéphane. Et sur, Maverick. Et sur son mur. Il joue les Spider-Man. Ouais, c'est un peu ça. Donc. Bah, fais gaffe, je vous entends quand même. Ouais, mais je sais que tu nous entends. Mais nous aussi, on t'aime. Non, pas moi. Ah, mais moi non plus, je vous aime pas. Tac. Ouais, tout à l'heure, il faut vraiment que je change de caméra. Et vous verrez l'effet que j'ai. Ouais, je vais vous le montrer maintenant. Tiens, on va faire une petite pause de seconde. Je vais vous montrer l'effet que ça fait d'ici. Franchement. Je sais pas si on peut vous en mettre correctement. Mais ouais, bon, ça brille parce que c'est pas sec. Hein. Mais ouais, c'est quand même plus sympa comme ça, quoi. Donc, voilà, ça, le temps de... Alors que je continue. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que ça fait un tapis. Bah, c'est un peu le but en fait, si tu veux. Parce que si tu veux, comme je dis, c'est des figurines qui ont un effet un peu déformé, un peu comme les pop. Du coup, ça, ce sont des endroits qui seront loin de ça en réalité.
Du coup, forcément, c'est censé faire petit comme un tapis, parce que c'est ça. Et puis dans des BZ, de base, quand tu les vois marcher dans l'herbe, t'as plus l'impression qu'ils marchent sur un tapis qu'autre chose, tu vois. Donc c'est vraiment, pour coup, c'est l'effet recherché, en fait. Non, parce que bon, moi, ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude de ça, quoi. Moi, je trouve que les codes sont vraiment respectés. Par contre, c'est vraiment osé, hein, Coco. Tout à l'heure, je te voyais faire ton mélange. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et vraiment, c'est vraiment osé, quoi. Mais ça fonctionne. Hein. Ouais, bah, et après, je crois que je leur touche quand même. Hein. Ça méritera quand même des retouches. C'est-à-dire que, quoi, comme je refasse des petits ombrages, des petites lumières, tu vois. Oui, mais tu vois, rien, j'ai pas besoin de me faire chier à détourer. Comment? Vas-y. Je dis, du coup, tu vois, j'ai pas besoin de me faire chier à détourer quand je vais voir faire mon verre. Ouais, ça, ouais, c'est ça qui est pratique. Clairement. Mais par contre, fallait clairement des couilles pour faire ça. Hein. Ah oui, faut bien se concentrer, faut en avoir envie, quoi. Ouais. Parce qu'une fois qu'il y est, il y est. Hein. T'as les codes. Et puis le Diola Final Blast, on le suit depuis maintenant quoi, un mois, 2 mois au moins. Ouais, un truc comme ça, ouais, à peu près, ouais. C'est vrai que quand t'es parti sur le truc là, ouais, enfin, vous n'avez pas vous rendre compte où je voulais aller. Où t'allais, tu vois. Mais ce qui est le plus important, c'est que toi, tu savais où t'allais. Ouais. Mais par contre, le coup du verre. Ouah. Mais t'as raison, en fait. En fait, ça va marcher. Hein. Puis tu vois, c'est tellement mieux d'utiliser du flocage. Ouais, t'as de l'épaisseur. Ouais, là, toi, j'ai de l'épaisseur. Et à la limite, si on a plus, en effet, un peu comme tu peux avoir sur une résine, par exemple, tu vois. T'as du relief. À quoi, t'as au moins quasi 1 mm d'épaisseur, là? Ouais, à peu près, en moyenne, entre 1 et 2 en fonction des endroits, parce que j'ai des petits reliefs, tu vois. Entre 1 et 2 mm en fonction des endroits. Peut-être un peu moins, même, par endroit, tu vois. Bah, chapeau. Merci. Et pourtant, regarde, c'est tout con, hein. J'ai mélangé de l'eau, de la colle à bois, du sable et de la peinture. Ouais, je t'ai vu tout à l'heure. Et je me suis dit, putain, il n'y a plus de sable. Voilà, et du sable, j'en ai beaucoup à côté de moi, par terre. J'ai un gros bidon de j'ai plusieurs litres de sable à côté de moi. Donc ça va, de ce côté-là, je suis pas en rade. Mais non, ça va le faire. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit relief là qui est sympa. Après, je pense à la caméra, vous êtes aussi peut-être un peu trompé aussi par les reflets de lumière qui vous donnent pas forcément exactement les reliefs qu'il y a, mais ça après, quand tout sera fini, vous aurez plus de. Vous rendrez vraiment compte. Et pareil, ça va apporter aussi de la couleur, une touche de couleur supplémentaire. Juste le fait d'avoir une teinte de couleur en plus, ça donne toujours mieux. De toute manière, au niveau couleur, t'es au maximum là. Parce que t'as du blanc, du jaune et du vert. Je vais avoir le gris des dalles, c'est tout, qui iront derrière. Et après, il y a les figurines qui vont apporter de la couleur en elles-mêmes. Mais toi, du vert, il va y en avoir là, il va y en avoir ici, je vais en mettre là, je vais en mettre ici. Je vais avoir 2-3 touches à droite à gauche de vert. Je vais pas en amener beaucoup, mais juste quelques touches un petit peu partout. Pour le but, c'était de rendre vivant. Donc quand j'ai fait le duo, je me suis posé des questions, quand j'ai fait les montages, il faut que je mette du vert. Je le savais dès le départ que j'allais mettre du vert, et j'avais déjà prévu que toutes les touches de vert seraient à des niveaux différents, c'est-à-dire que le niveau de là, d'ici et de là-bas, sont 3 niveaux différents de hauteur. Ça c'est une chose que j'ai calculé déjà de base, avant même de commencer le duo en fait, je savais que je ferais ça quoi. Hop. Par contre, c'est vrai que c'est long. C'est simple, mais c'est long à faire. Parce qu'il faut vraiment y aller tout doucement. Et moi, qui ai plutôt tendance à être un bourrin, c'est un peu un exploit pour moi. Ouais, en fait, c'est la même chose que si tu poses du ciment, quoi. Ouais, dans le principe, c'est un peu ça, ouais. Mais pour bien le réussir, il faut être portugais. Voilà, sauf que je suis pas portugais. Vous savez, se rappeler, c'est quand j'ai fait le duo Gundam.
La dalle de béton, hein, c'était coulé. La dalle de plate, c'était comme une dalle de béton. Au final, c'était comme de la maçonnerie, hein, mais en plus petit. Tu vas faire tous les plats là? Non, tu vois, tu regardes la caméra? Ok, donc là où il y a, ici, juste à côté. Ensuite, là j'ai prévu un rebord ici et ici pour mettre du verre. Et ici, là, c'est sur ces endroits-là, voilà. C'est juste pour apporter des touches à droite à gauche, c'est tout. Après, il n'y aura pas de verre ailleurs. C'est vraiment le but, c'est juste d'apporter des touches de couleurs supplémentaires pour rendre la chose un peu plus vivante. Et créer des contrastes de couleurs qui est toujours plus sympa visuellement. Travailler des contrastes, c'est toujours quelque chose d'assez sympa. Tac. Voilà. Hop. Ici, ouais, ici j'en manque. Faut que j'en remette un peu ici quand même. Là, faut que je ravance un peu le truc. Voilà. Voilà, c'est la plus grosse partie et les autres seront plus rapides à faire. Putain, j'ai une mouche qui me tourne autour, les gars. Elle me fait chier. Ouais, ça représente vachement les zones de l'anime quand même, où il y a toujours un peu cette surépaisseur et cette couleur, avec les strates qu'on a dans Dragon Ball, quoi. Exactement. Exactement ça. Fallait vraiment, je leur dis, hein, mais fallait vraiment des buts en même temps faire ça. Vraiment, c'est ça, je pense que ça va être vraiment sympa. Toi, souvent, c'est ce que soit ce que je dis, c'est qu'au final, tu vois, avec des techniques de base, du moins, il faut juste avoir de l'idée en fait. Et comme tu dis, après, il faut pas avoir peur de tenter ça. Ouais. Mais qu'au final, regarde, faut oser, quoi. Faut oser le truc. Parce qu'au final, regarde, je te fais un duo avec des techniques qui sont relativement basiques, hein, à part c'est la découpe de poli, là, on a un peu de pâte autodurcissante pour lisser la chose, ça, c'est du sable. C'est vraiment, on est plus que sur un travail d'idée. Et comme tu dis, là, par contre, c'est vrai que. Faut oser, parce que c'est vrai que ça peut faire peur au premier abord. On se dit merde, si je fais une connerie, je foire mon truc et tout. Alors après, il y aurait toujours moyen de se rattraper. En soi, tu foires ça, tu retires la surépaisseur et tu refais de la peinture par-dessus. Hein. C'est toujours rattrapable, plus ou moins. Mais je peux comprendre que les gens, ils osent pas trop de peur de flinguer leur duo. Ça peut très bien se comprendre. Dans l'anime, j'ai souvenir de voir un petit peu cette surépaisseur. Ouais. Ce contraste qui est vraiment marqué, je trouve que ça fait vraiment le. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de voir le truc un peu comme dans l'anime. Ouais. Au début, ça m'a choqué, tu vois. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit putain, wow, il va loin. Mais vraiment, c'est ça en fait. Tac. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le Discord? Alors ah bah non, c'est toi qui dis que tu reviens. J'ai du mal à me projeter sur le rendu de l'herbe. Surtout deux, désolé. Mais là, en fait, quand j'aurai fini, je vous montrerai, là vous comprendrez mieux ce que je veux faire. C'est vous laisser Nico. Comment tu vas faire? Est-ce que je vais faire un léger brush sur l'herbe? Oui, je pense que je ferai un léger brush sur l'herbe. Il y a un petit pour remettre. Donc, on va y rajouter un petit peu plus de relief pour ça mettra en valeur un peu sa texture. Mais je pense que le brush de l'herbe sera moins forcé que sur la roche. Là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arêtes, il n'y a pas besoin de le forcer. C'est juste un léger, ça suffira largement. Ouais. Du léger. Je Et pense que ta basta. plus grande difficulté, ça va être de t'arrêter sur le vert et de faire quelques zones et peut-être 3 ou 4 et de te dire. Enfin, il va falloir stopper à un moment et ça va être ça le plus dur. Bah, ça va pas l'être dans le sens où j'ai déjà prévu juste les endroits où je mets. Je sais déjà que je mettrai à un endroit et que je mettrai pas ailleurs, tu vois. Dans ma tête, je suis déjà. C'est déjà fait les endroits où je veux les mettre. J'y vais Mais pas à peut-être l'arrache que si on tu vas déjà avoir prévu. envie de le mettre ailleurs. Comment? Peut-être que tu vas avoir envie de mettre ailleurs. Peut-être, mais j'avoue que je suis
Pour l'instant, je pars pas dans cette optique-là, en tout cas. Après, on verra, peut-être qu'après, j'aurai peut-être une envie quand j'aurai fini, comme tu dis. Mais c'est vrai que tout de suite, maintenant, l'optique n'y est pas du tout. Parce que là, je me suis vraiment posé la question de... c'est là pour mettre une touche de couleur, mais c'est pas là pour... c'est pas l'ambiance générale du duo. Je l'ai pensé comme ça, si tu veux. C'est juste le, pour moi, c'est juste le petit plus. Donc, je sais déjà, je suis conscient du fait qu'il faut pas beaucoup en mettre. Sinon, je vais flinguer l'effet que je cherche. Et au final, ce que je fais, ça rejoint la technique que j'avais fait avec DDR il y a quelques mois sur YouTube. On a fait un tuto ensemble. Il refait ça, sauf que lui, il prend de la sur deux bois à la place, mais il fait exactement la même technique pour ses duos. J'ai mon ventre qui gargouille. Ah, mais ma tête, est-ce que ma tête cache trop sur YouTube ou pas? Que je me rends compte que j'ai tendance à avoir un peu la tête devant la caméra. Sinon, il faut que je décale un peu. Là. Je vais peut-être décaler un peu. Ah. Mais là, t-shirt. Un t-shirt. De quoi? Mais un t-shirt. Enfin, j'y ai pensé tout à l'heure, mais j'ai beaucoup trop chaud pour ça. Et t'en es où sur tes duos, Sylvain? Voilà. Tu t'es plus posé la question de ce que je fais, est-ce que c'est cohérent au niveau échelle, c'est ça? Ouais, en fait, moi j'aime bien faire des colonnes, tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau échelle, quand on mettait une figurine derrière, ça collait pas trop. Ouais. Et du coup, je me suis pas mal interrogé là-dessus pendant les vacances. Mmh. Puis quand je suis revenu de vacances, le lendemain, je suis parti sur d'autres trucs. Mais, enfin, plus gros au niveau échelle, en fait. Les colonnes, le diamètre, ce genre de choses. Ouais. Du coup, ouais, c'est un peu tes lives qui m'ont montré ça, tu vois. Et t'es content de ce que t'as fait ou pas? Ouais, pour des premiers jets, ouais, je suis content, ouais. Bah écoute, c'est parfait, c'est ça le principal, c'est que... Je suis assez content, je te montrerai si tu veux à l'occasion. Ouais. Le problème, c'est la différence entre le duo scénique, où on est censé mettre genre 10 figurines, ou le duo pour mettre une figurine en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a le duo vitrine et le duo vraiment qui te représente une scène en particulier, quoi. Et du coup, je suis parti plus sur des trucs pour une figurine en fait. Donc plus à l'échelle. Ouais. Et je suis très content parce que voilà, enfin ça met une nouvelle dynamique dans le style des duos que je fais. Et puis du coup ça te motive peut-être à faire autre chose? Ça te motive? Ah mais je fais d'autres trucs, hein, j'ai plein de projets, j'ai des tas de projets, mais après faut le temps quoi. Puis il y a le boulot aussi, hein, donc. Je me rappelle plus, tu travailles dans quoi déjà? Hein? Tu travailles dans quoi déjà, tu m'as dit? Je me rappelle plus. Ah, je travaille pour une agence. Une agence. En informatique. D'accord. Travaille au bureau des secrets. Et je veux pas révéler sur YouTube. D'accord. Ouais, bah d'accord, bah on dit pas plus. Et le c'est assez intéressant parce que te voir travailler, tu vois ce petit millimètre que tu mets là, ouais.
Tout ça, c'est des choses intéressantes. Et on a déjà parlé il y a quelques mois que je te disais que tu filais pas de tips, tu vois. Et là, je trouve ça intéressant. Parce que justement, ce petit millimètre que tu mets, il change tout. Ouais. Il t'apporte vraiment une texture. Ouais. Et je trouve que c'est cool du coup pour ton duo là. Ouais, tu vois, en regardant le retour caméra, c'est vrai que sur le retour caméra, ça fait vraiment sympa. J'ai pas trop regardé encore le retour. C'est vrai qu'il est sympa sur le retour caméra. Alors du coup, faut quand même bien le poser parce qu'une fois que ça sera sec, ça sera sec. Hein. Faut que c'est sec, ce genre de mélange, c'est dur comme de la pierre. Hein. Ah, t'as chargé un peu en plus en colle à bois. Ouais. J'ai déjà fait des duos où je recouvre complètement les surfaces de ça. Le duo, je te l'envoie dans la tronche, je te tue avec tellement c'est dur, c'est solide en fait. Comme une fois que c'est sec, c'est de la pierre, vraiment quoi. Et ça fait pas sombre. Hein. C'est un truc où t'as peur, c'est d'en faire tomber à côté. Ce sera un peu con-con. Vraiment, faire gaffe. Oh, c'est bien. Hein. Par contre, là, tu vas être limité dans le choix. Enfin, tu sais où tu vas, mais pas évident de dire où t'en mets ou où t'en mets pas. Ouais. Pour ça, je pense que justement, j'ai la chance de m'être posé la question avant de le faire. Toc. Je suis presque sûr que quand tu vas avoir fini, tu vas dire merde, il faut que j'en rajoute là ou là ou là. Ouais, je verrai bien. Limite. C'est possible, c'est possible. Tout est possible, c'est le jeu de la vie. Mais ça, c'est que pour ceux qui ont la référence. Sinon. Ouais, mais tu t'es planté parce que c'est tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Ah, ouais, voilà, ça, je me rappelais plus du truc entier. Faut que je remette un peu par ici. Et Maverick, t'as commencé ton premier duo ou quoi? Ah, ça, c'est la question à un milliard, ça. Ah, Maverick, il nous entend pas. Il te remercie de l'avoir posé la question. Ouais, ouais. Là, il est en panique, il se demande comment il va te répondre. Par contre, on t'entend mal, David. Ah bon? Ouais, à part quand tu lèves la tête. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Parce que quand j'ai la tête, du coup, ma voix porte plus sur le micro que quand je suis sur l'audio. Ok. Alors. Et doucement. Pas trop en mettre. Non, m'en cache pas trop. Attends, je peux refaire ça, putain. Je suis même mieux pour moi en plus. Là, tu sens que c'est plus compliqué ici. Mais ouais. Mais comme dit Sylvain, je crois qu'on est tous arrivés à sortir de notre zone de confort. Bah ouais, c'est ça qui est bien. Mais en même temps, là, David, moi je trouve que l'endroit où tu es là, je n'ai même pas guetté l'endroit là en fait. Tu quoi? J'avais pas guetté l'endroit là. Ah bon? Ouais, du coup, il y a un troisième qui est évident derrière quoi. Ah, juste là. Mais c'est chouette, hein.
Par contre là faut vraiment que je fasse super attention, j'ai pas beaucoup de place. Là vraiment là j'ai carrément senti ouais. Toujours dedans. Tu crois pas qu'il va falloir un peu mettre un peu ailleurs du coup du verre? Bah là je vais en rajouter un score sur celle-là aussi. Et après je verrai ce que ça donne. Un point de vue un peu général. Comme t'es parti là-dessus, du coup. C'est quand même sur des couleurs qui sont un peu. Qui s'assemblent. Mmh. Il va falloir que tu charges un peu ailleurs, non? Je sais pas, je vais voir. Je vais voir après en fait. Ça va dépendre du rendu qu'on va avoir. Parce que je pense qu'une fois que ça sera mis, je vais mettre les figurines pour qu'on ait une petite idée générale, tu vois. Ouais. C'est vraiment comme ça que je pourrais me rendre compte de ce qu'il faut faire, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, tu vois. Et comme t'as mis un peu au sol, c'est pas évident. Hein. Ah, techniquement c'est pas au sol. Hein. Ça c'est pas le sol ça. Hein. Ça c'est surélevé encore. Hein. Oui mais ce que t'as fait avant, c'est au sol. De quoi? De l'herbe? Ouais. Ah non, j'ai aucune herbe au sol. Ça, c'est surélevé. Et ça c'est surélevé. Les deux endroits où j'en ai mis, tout est surélevé. Oui hein. Si t'es sur Discord, rien. Tu vois, c'est pas sur le sol. On est surélevé en fait. J'ai pas du tout prévu d'en mettre sur le sol en fait. Mais c'est cohérent en fait. C'est cohérent. Justement, si je me mets à en mettre sur le sol, je pense que ça m'aurait forcé à en mettre plus partout. Alors que me le mettre justement sur des reliefs comme ça, ça m'obligeait pas à en mettre partout. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas en mettre au sol au départ. Comme faire gaffe, parce que j'ai les yeux qui commencent à fatiguer là. Faut vraiment que je fasse gaffe. C'est périlleux. Attends, si je le regarde comme ça, ok. Du coup, on va retirer l'excédent que j'ai dessus. Là. Hop, voilà. Ouais, t'es tendu comme un string. Hein. Ah, bah oui, mais là c'est chaud ce que je fais du coup. Au moins une petite peu de travers ça part. Il commence à être minuit passé. Si veux, j'ai les yeux qui fatiguent quand même. Mais je peux pas me permettre d'arrêter parce que j'ai mon mélange qui est fait, il va durcir. Peut-être que je rajoute un petit poil par ici encore. Ouh, ça a failli tomber. On a trop mis. Voilà. Je le sens, je suis tellement crispé que ça me fait mal au dos. C'est parce que t'as des muscles dans le dos. Ouais. Et tu te rappelais plus que t'en avais dans le dos. Bah non, ils sont en dessous le gras, donc si tu veux, je les vois pas souvent. Fais gaffe autour comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par autour? Bah, il s'agit pas que tu fasses une barbe à baba. Ah ouais, non, t'inquiète. C'est là, on n'aura pas de problème. Pas trop lié. Hein. Mmh.
Voilà. Ok. Je vais mettre de ce côté-là maintenant. De l'autre côté. Alors, mettre ça correctement, voilà. Ah zut, là vous voyez pas. Voilà, hop. On est 50 là. Voilà. On redescend un peu. Doucement, doucement. Voilà. Là, ça comme voilà. Là, on est bien. Ok. Et je vais essayer de mettre un petit poilu là-bas. Voilà, c'est un petit peu assis si je passe comme ça. Ça va le faire. Voilà. Et là, on l'a. J'étends un peu mes bras, là. Ah vache, alors qu'est-ce qu'on dit sur le chat? Non, ça va, la tête ne cache pas la caméra. D'accord, ok. Alors, on va faire un petit test avec figurine en place. Pour avoir une petite idée du rendu. Sachant qu'il faut. On va voir. En gros, on va voir ça. Bon, ça sera collé après. Mais... on aura ça. On aura ça. Tac tac tac, ils sont où? Là j'en ai un ici, j'en ai un là, l'autre il est là-bas.
Voilà, alors, pour l'instant, on en est là. Bien. Bon, après, ils sont pas collés, donc ils ont du mal à tenir pour l'instant les dalles. Mais à terme, elles seront collées de toute façon. Ça commence à le faire, là, déjà. On est vraiment dans les teintes de couleurs en question. Dites-moi ce que vous en pensez sur le chat. Je continue à tourner. Alors la peinture n'est pas finie, j'ai encore des broches à faire, tout ça. Hein. Les ombrages sur la végétation, mais voilà. Oh, c'est pas mal. Hein. Dans l'idée, on est là. Finalement, les couleurs sont bien. Et là, ben, de toute façon, c'est le cours de l'année. Donc. Hein ? Qu'est-ce que tu disais, Stéphane ? Je disais, finalement, les couleurs sont bien. Ouais, je parlais de l'eau, Stéphane, en fait. Donc, qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais faire un truc, je sais plus ce que c'est. Alors, moi, je trouve le décor génial. Par contre, si je peux me permettre, je trouve que le rouge va pas pour le socle de sel. Le problème, en plus, c'est le seul truc, je crois, qu'on peut pas changer sur la figurine, c'est ça. Genre, on peut changer les attaques, mais on peut pas changer le. Mais par contre, le décor, il est top. Mais par contre, le rouge, on sait pas trop d'où il vient, en fait. Ouais, parce qu'en plus, il a pas de rat rouge. Sur l'espèce de roche, c'est jaune et ça se transforme en rouge d'un coup. Ouais, je sais pas. En plus, dans l'anime, il a pas une aura rouge de mémoire, celle. Non, c'est Freezer qui a une aura rouge normalement, rouge violet. Mais bon. Du coup, le rouge est un peu dérangeant, du coup. Mais après, l'avantage, c'est que je peux changer. Toi, je peux mettre d'autres persos à la place. C'est ça qui est bien. Ils seront pas collés, donc je peux changer. Je peux mettre un Piccolo, je peux mettre un autre Saiyan, je peux faire plein de choses. Donc, ce côté-là, j'ai du choix, tu vois. C'est un petit végétal qui est. Non, c'est Trunks. Ah, c'est Trunks? Ok. Ouais, c'est Trunks. Mais là, il colle bien dans le décor, Trunks. Avec le bleu qui va bien. Le bleu est un peu complémentaire du jaune. Mais par contre, le rouge, on ne sait pas trop d'où il vient, en fait. On ne sait pas trop comment il est posé comme ça. Après, le décor, il est top. Hein. Attention, je dis pas. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que le rouge, il me choque un peu. Il y a Okiji qui trouve qu'il manque quelque chose. Alors, du coup, dis-moi ce qui pourrait manquer. Ça pourrait être intéressant. Moi, ça m'intéresse, du coup. Tu peux pas éclairer la boule là au milieu là? Non, parce que je pouvais pas passer le système d'éclairage sans que ça se voie, en fait. Du coup, il n'y a pas d'éclairage sur ce dieu là. Je pense que je vais peut-être refaire des petits lavis pour surligner un peu mes fissures. On va retravailler du lavis, je pense que je vais le faire ce soir, comme ça il va sécher tranquillement dans la nuit. À mon avis, tu repenses. Tu repeins l'aura de sel. Ouais, le problème, c'est que je perds le côté translucide si je fais ça. C'est ça le truc. Faudrait que je voie si je peux interchanger. Quoique non, je peux pas changer le socle. Et le peintre, je vais perdre le translucide qui est intéressant justement parce que faut que ça soit translucide du coup ce genre d'effet. Et si je le peins, je le perds. Sinon, il faudrait carrément que je le remoule et tout, mais alors le prix que ça va coûter, de fabriquer une matrice pour recouler en résine et après repeindre la résine, ça coûterait une blinde juste pour ça, quoi. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour rentrer dans les détails jusqu'à l'aura rouge me choque aussi. Après, un repaint sur l'aura serait pas mal. Ah bah sur l'aura, okay.
un lavis, ce serait vraiment pas mal. Bah toi, c'est ce que je disais. Je vais faire un lavis sur déjà pour faire ressortir un peu mes mettre en évidence plus les le fait que le sol est cassé en fait, une fissure, aller chercher le mot sur mes fissures. Donc, je pense que je vais taper un lavis marron. Hein. Je vais pas taper un lavis noir, un lavis marron foncé. Genre un tas de sienne brûlée. Qu'on ait un marron ou marron foncé, un peu rouge quoi. Voilà, j'en ai avoir du. Il y en a beaucoup qui seraient d'avis de faire un repeint sur l'aura. Ouais, mais le problème c'est que je vais perdre ce côté translucide. Et je veux pas perdre ce côté translucide justement. Je suis d'accord avec Aokiji. Voilà. Terre de sienne brûlée, je vais faire comme l'aura rouge. Avec la couleur jaune, t'es sur des couleurs voisines. Ouais, celle que t'as montré la plus. De quoi ça? Mais. Bah, l'aura rouge, franchement, on dirait un espèce de vagin là. David. David. Ouais. Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Moi je t'entends pas. Ah bon? Bah moi je t'entends très bien. Ah bah voilà. Pour l'aura rouge là, qui déconne. Ouais. Tu pourrais pas faire entre guillemets plus ou moins un moule dans de la pâte à modeler. Et une fois que tu as fait ton moule, tu fais de la résine cristal au pinceau dans ton moule. Avec une teinte dans ta résine. Alors c'est le couler de la résine en soi, ça serait pas un souci, enfin, mis à part le prix, ça coûte cher la résine. Déjà ça ferait un peu chier. Mais le moule juste en pâte à modeler, le moule, j'ai pas confiance en la pâte à modeler quoi. Bah non, enfin quand je dis de la pâte à modeler, c'est de la du dash ou. Du nash ou du enfin de la pâte qui durcit à l'air. La pâte dasse, voilà, merci. Ah bah ça va pas faire du tout là dedans. C'est pas fait du tout pour ça la dasse. Ça va faire un mauvais rendu, ça va du coup la résine serait pas lisse. Ce serait un peu, il y aura des petits reliefs et du coup ça serait plus transparent, ça serait un peu opaque en fait. Ah, dans ce cas, la DAS, c'est pas du tout adapté pour ça, la DAS. Parce qu'en séchant, la DAS, elle va créer des micro-porosités, en fait. T'es pas obligé de prendre la DAS. Tu peux peut-être prendre une autre pâte qui a le même système de séchage, mais pas de la DAS. Non, mais toutes les marques, elles ont le même problème. Sinon, il faut taper dans les trucs style micro. Ah, il marche pas, ton micro, David. Des fois, tu parles et il n'y a pas de son qui sort. Et les autres, vous m'entendez ou pas? David. Ouais. Tu m'entends bien quand je parle ou pas? Ouais. Pour moi, pour rejoindre un peu ce que dit Stéphane et Aokiji. Ouais. Pour moi. Moi, si j'ai le Diola en face de moi, bah après c'est toi qui l'as en face de toi. Toi, tu le vois mieux que moi. Hein. Mais pour moi, il faut que tu accentues le contraste sur la zone rouge. Là, ta zone rouge, elle est en plastique. Ça choque. Moi, ce que je ferais, mais après, bon, voilà, je suis pas toi. Moi, je foutrais un coup d'aéro rouge un peu violent sous la partie de sel. Du coup, tu veux accentuer le rouge? C'est soit tu l'accentues le rouge, soit tu le fais disparaître. Sinon, tu as une autre idée. Tu as une autre solution. Sans toucher au rouge. Lesquelles? Enfin, une autre solution, ça changera pas la couleur, mais ça la mettrait peut-être, comment dire, encore plus translucide. Si tu préfères, par rapport à tes personnages, tu insères des genres de LED, mais pas en dessous. Comme ça, quand ça sera allumé,
vu que le plastique, il va te permettre à diffuser la lumière de la LED dans tout le truc rouge. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que du coup, si la lumière se diffuse là-dedans, mais elle se diffuse pas dans l'effet qui est au milieu, ça va faire bizarre. Sans compter que le lieu n'est pas prévu pour, donc je la caloue l'alimentation du truc. Elle sera obligée de ressortir, ça va faire un fil. Non, mais. Et comme ça, c'est pas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes des LED traditionnelles et tu les mets dans du tuyau plastique. Ouais, mais ça j'aurais dû le faire. Dans ce cas-là, c'est un truc qu'il faut faire avant la création du lieu. Le duo n'est pas du tout prévu il pourra plus faire ça. Voilà. C'est fini, il pourra plus faire ça, la structure. Par en dessous, c'est peut-être faisable. Ouais, mais n'oublie pas que le duo, c'est pas un morceau de plastique de polystyrène. Hein. C'est plein de petits morceaux, c'est pas un bloc de polystyrène aussi. Donc, je peux pas faire ça là-dedans. Ouais, je sais. Ce que je veux dire. Il n'est pas du tout prévu pour ça, ce truc-là. Il n'est pas du tout prévu pour. Non, mais bon, ça aurait pu sauver la situation, quoi. Moi, je pense que ce qui peut sauver la situation. Bien sûr, si je fais quelque chose, c'est pas ce soir, ça, c'est sûr. Je vais faire mon avis. Un petit coup d'aéro. On prend un aéro avec des rouges. David, comme tu sais faire. Ouais. Et tu intègres le socle de sel au sol, avec le sol, pour que cette aura soit moins visible. Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, remarque, oui, ça peut diffuser un peu la lumière. L'intègre dans le décor, sol, l'aura en fait. Rouge, mais tu vois, avec un petit coup d'aéro rouge, mais quelque chose de puissant, parce que du coup. Là au niveau des couleurs sur le c'est un peu rose un peu c'est pas vraiment rouge pour moi vu que t'as un problème soit tu le fais disparaître soit tu l'accentues. Ouais, et ça aussi c'est si on part du principe que le sel reste sur le duo. Comme poisson, je ne sais pas comment ça va se passer, si le sel va rester sur le duo ou pas. Refous-le le sel là, remets-le sur le duo là. Sinon, tu as une solution, mais radicale. C'est que demain matin, tu te lèves, tu vas au magasin, tu en achètes un autre. Oh, oui, c'est ma femme qui va couiner. Non, il va bien. Non. La scène, elle est bien. Bon, après, on peut l'inverser aussi. Hein. Hop, ça marche aussi, dans ce sens-là. Tu vois le sel là, là autour, là tu prends ton aéro là et tu peins le socle de sel et tu peins autour de lui. Ouais, bah en fait pour diffuser la lumière produite par son aura. À la limite, il serait mieux comme ça. Ouais, dans ce sens-là. Mais tu peins autour. Ouais, mais je crois que t'as raison. Tu peins autour et tu peins un peu le socle aussi. Ça va diffuser la lumière de son aura. Et ouais, je vais faire un halo comme s'il y avait un petit halo lumineux autour de lui en fait. Qui est la continuité de son effet. Un peu au sol, un peu sur les cailloux autour. Ouais. Je crois ça. Par contre, Tu vas mieux l'intégrer. Je le ferai pas ce soir. Parce que ce soir, je suis plus apte à utiliser l'aéro. Mais ouais, je vais faire ça. Mais par contre, ce soir, je vais faire mon lavis ce soir, pour qu'il puisse sécher tranquillement. Tac. Mais oui, je pense que je vais faire ça. Alors, il faut que je prenne... Si tu en prépares, moi, là. Voilà. Hop. Tac. Alors, zut. Mon petit marron. Ça fait longtemps qu'elle a pas servi cette peinture. La vache. Bon, ça suffit largement. Hop. On va essuyer ce que j'ai mis. Ça va par terre. Et David? Oui. Lis un peu à Okiji là. À Okiji. Ah putain, j'ai des bonnes idées.
Alors, lise la vie, ok, donc si on avait vu, c'est impossible. Il y a un peu ce qu'il écrit. J'ai bien vu une seconde courbe de fumée. Côté plus fine. J'aurais bien vu une seconde courbe de fumée. Oh putain, là, c'est trop tard maintenant. Ça, ça, j'aurais dû le faire avant. Là, c'est beaucoup trop tard. Donc, il faut que je retape toute la peinture. J'avoue que j'ai pas le courage de tout refaire. Sinon, tu as la possibilité, c'est de retirer les deux auras, les auras des deux persos. Ouais, mais il y aurait l'idée, justement, j'avais choisi ces figurines-là, justement parce qu'il y avait les auras et l'énergie, justement, pour vraiment pour dynamiser la chose. L'idée est bien, mais voilà, et comme à terme, je compte essayer de le vendre pour justement ce type de figurine-là, j'ai pas envie de faire en sorte de faire tenir des... Parce qu'après, si je le retire, c'est qu'il faut que je creuse les pieds pour que les figurines prennent dedans, sinon je ne vais pas tenir debout toutes seules, elles sont pas prévues pour. Elles sont pas équilibrées, le trunk s'il tiendra pas le bout, il est complètement penché en arrière. Et du coup, ça me forcerait à abîmer l'audio. Alors que j'ai bien envie de le vendre après, parce que moi, je sais pas qu'on fout de ce duo-là après. Donc l'idée est bien, mais ça me fait chier de le faire à cause de ça, en fait. Parce qu'il faut que je pense au fait que l'audio, bah, derrière, je leur file, quoi. Comme mais ça, si tu vires le socle de sel, ouais. Tu peux faire une aura avec l'aérographe. Tu peux faire une aura un peu vert fluo, un peu vert phospho. Et puis Vegeta, pareil. Tu peux faire un truc assez fun, plus avec des couleurs vives. Après, la résine du socle, il a raison, Aokiji. La résine du socle, elle sert pas à grand chose. Moi j'aime bien son dynamisme en fait à la truc. Par contre, le coup d'augmenter la lumière autour, ça j'aime ton idée d'augmenter la lumière. Enfin, la lumière, enfin, comme t'as dit, faire l'aura, reprendre l'aura à l'aéro autour. Mais par contre, moi je les aime bien, j'ai vraiment pas du tout envie de jeter ces deux effets. Par contre, les booster à la peinture, ouais. Un peu comme le principe que j'ai fait sur le duo Sensei avec la boule lumineuse en fait, ça reste ce principe là en fait. La vie, c'est quoi? C'est de l'eau et de la peinture, c'est ça? Ah ouais, tout bêtement. De l'eau et de la peinture. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit, Julien. Oh, qu'est-ce qu'il en fait du bruit, Maverick? Ouais.
plus. Tic-tic-tic. À la fin.
Au fait, ça s'est bien passé la rentrée des classes. Bon, ouais. Moi, la petite était contente de retourner à l'école et de voir ses copines, donc moi. Pas de soucis de mon côté. Alors là. Elle est en quelle classe maintenant? C'est un. La grande école. Ouais, ouais, c'est un peu que ça commence à arriver dans les grands, on va dire. Mais non, ça se pose bien. Elle a l'air cool, la maîtresse de cette année, donc. Elle a l'air cool. T'es pas retourné sur Twitch? Non, non. Non, parce qu'au final, j'en trouve pas l'intérêt. Donc, je reste sur mon YouTube tranquille. Et voilà. Voilà, ça a donné des petites touches de couleur en plus, pas de mal. Une nuance de couleur, sont pas mauvais, pas dégueu. Mais en fait, j'étais en train de penser, ouais. tu fais des duos, mais tu fais des duos avec des personnages, mais qui sont tous... Quand tu te sépares, tu ne te sépares pas des personnages. Quand je me sépare du duo? Ouais. Je sais pas, ça dépend des fois. Mais là, de toute façon, le plus de duo que j'ai jamais vendu des personnages avec, ça n'est jamais arrivé jusque-là. Ouais, donc tu fais toujours en fait des duos pour pouvoir après mettre des personnages, mais autres que les tiens, quoi. Ouais, on peut dire ça. Bah ça, par exemple, ça, si je le vends, que le mec il va acheter des figurines avec, je lui vendrai des figurines avec, tu vois, par exemple. Celui-là, voilà. Mais par exemple, le Gundam, si le mec il va acheter le décor, c'est le petit que j'ai fait en début d'année, il sera obligé d'acheter le Gundam avec parce qu'il est collé dessus, par exemple, tu vois. Et c'est juste, ah oui, comme les liens, alors. L'occasion si jamais présenté, tu vois, mais si le gars il veut acheter la figurine avec, moi je la vends la figurine. Ouais, parce que moi c'est pareil, tous les duos que je fais, les figurines, les véhicules sont collés sur le duo, quoi. Ouais. C'est pas démontable. Non. Il y en a plein qui sont pas démontables dans ceux que je fais. Voilà, on va le laisser sécher comme ça. Hein. Hop. Ça aussi, le reste, ça va sécher. Puis on fera les broches la prochaine fois. On retouchera l'effet de lumière, comme disait Youpi tout à l'heure, comme disait Sylvain, à l'aéro en rouge au niveau du sel. Donc, si tu fais ça, tu seras obligé de laisser les personnages dessus. De toute façon, il est prévu que pour ces personnages-là, donc, ou du moins les personnages de cette game-là. Non, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que mettons, tu vends le duo, et que sans les personnages, et que le mec, il achète, un Sangoku, là, donc, orange, et un autre, bleu, bah, ta lueur rouge, elle sert plus à rien. Ouais, mais je sais d'office que si un gars, il achète ça, il l'achètera pas pour mettre un Goku face à un Gohan, par exemple, tu vois. Le gars qui va acheter ça, ça pour respecter la scène. Et pour le coup, comme le seul méchant de la gamme de figurines, c'est le sel, il est tranquille, il y a quasiment que lui qui restera sur le truc, qui bougerait pas, il y a que les autres figurines qui peuvent changer.
Ah, tu disais ça, bon, moi j'y connais rien dans ce domaine-là, DBZ et tout ça, enfin de nom, mais tu sais bien, tu me connais, tu sais comment. Donc, mais vu que la plupart du temps, tu vends le décor, mais les personnages restent chez toi, donc ça fait que les personnes qui achètent le décor peuvent mettre n'importe quel personnage dessus. Du coup, si par contre, si je dois être peindre, booster le rouge autour, d'accord, ça faut que je trouve un moyen de booster le jaune aussi là-bas pour l'autre figurine qui ira avec, que je booste le jaune, parce que si je booste la couleur que d'un côté et pas de l'autre, ça va faire bizarre. Donc il faudra que je pense à faire ça aussi. Bon, ça sera la semaine prochaine, je peux pas faire ça là, c'est mouillé, puis de toute façon je suis claqué, donc de toute façon je touche plus à l'aéro ce soir. Donc voilà, je vais même arrêter de live parce que c'est fini, dans la fin de soirée, ce soir il est 1h du mat de toute façon, donc moi je vais aller me pioter. Donc YouTube, merci encore à vous comme d'habitude de m'avoir suivi, et vous n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air, c'est bon pour le référencement de la chaîne, pour une fois que je vous demande à le faire. N'hésitez pas à partager aussi au passage. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, parce que j'ai déjà vu dans les stats, hein, quasiment 75% des personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées en fait. Donc du coup n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est pas plus mal, et sur les notifications pour savoir quand est-ce qu'il y a de nouvelles vidéos. Et puis voilà, puis je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis, bah théoriquement il y a une vidéo qui sort mercredi, prochain tuto mercredi, et à la semaine prochaine, au week-end prochain pour les prochains lives sur YouTube. Tu restes un peu ou quoi? Faudra juste 5 minutes, bah, faut que j'aille dormir parce que je suis... Moi, bah, comme moi. Ah, oh, bah, de toute façon, il a